بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشرار مهم محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة أخوات، الحمد لله. Donc on se retrouve cet après-midi pour un nouveau cours. Et puis avant de le commencer, je tenais à m'excuser. Voilà, par rapport aux deux cours précédents qui n'ont pas pu avoir lieu dimanche et lundi. Dimanche, je vous avais même dit, je me rappelle samedi, je me rappelle encore très bien samedi, je vous avais dit demain j'ai quelque chose à faire, etc. Mais ce sera juste de 16h à 17h rapidement, et finalement j'ai même pas pu faire le cours. Bon, vous l'auriez compris. Et puis hier, c'est pareil, occupation, et j'avais pas vraiment l'occasion et le temps de faire le cours. Et alhamdoulilah, là ça rentre dans l'ordre à partir d'aujourd'hui, avec du retard quand bien même. J'étais pas disponible à 16h, je vous ai dit vers aux alentours de 18h, et il est 18h30, el muhim. L'essentiel c'est qu'on reprenne le programme de cours, inshallah ta'ala. Donc ceci étant dit, on reprend, c'est mardi, c'est ça, mardi, on reprend avec l'authentique des récits des prophètes d'Ibn Kathir, rahmatullah alayhi. En page 473, toujours dans l'histoire de Isa, Aïssalem, un nouveau chapitre qui s'appelle la description et les vertus de Isa. Les descriptions et les vertus de Isa. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida, verset 75, dans le sens, le Messie, fils de Mariam, n'était qu'un messager. Les messagers l'ont précédé et sa mère était une véridique. Non. On rapporte donc qu'on l'a nommé Masih, c'est-à-dire le Messie, en raison de ses voyages sur terre et sa fuite avec sa religion. On l'a appelé Messie en raison de ses voyages sur terre et de sa fuite avec sa religion, loin des tentations de cette époque, suite à l'opposition farouche que les Juifs lui ont opposée et leurs mensonges sur lui et sa mère, sur eux le salut. On dit aussi que son nom est dû au fait que ses pieds étaient oints, ce qu'on appelle Mamsouh. Naam. Allah Ta'ala aussi dit dans Surat Al-Ma'ida, dans le sens du verset 46, nous avons envoyé avec eux Isa ibn Maryam pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thawra avant lui, et nous lui avons donné l'évangile, l'Injil, qui contient une guidée et une lumière. Également, il est dit dans Surat Al-Baqarah, au verset 87, nous avons accordé des miracles à Isa ibn Maryam et nous l'avons fortifié avec le Saint-Esprit. Les versets en ce sens sont très nombreux. Nous avons déjà mentionné ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, à savoir « Chaque fils d'Adam est frappé par le diable à la naissance, sauf Maryam et son fils. Le diable voulut le frapper, mais il le frappa dans le voile de protection. » Non. C'est-à-dire qu'il y avait un voile de protection autour de Isa et Shaitan n'a pas pu le frapper. Nous avons également mentionné le hadith de Ubada ibn As-Samit, rapportant que le messager d'Allah,
sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul et sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah, son messager et sa parole insufflée en Maryam, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité, alors Allah le fera entrer au paradis avec ce qu'il a accompli comme œuvre. Non. Al-Bukhari Muslim rapporte aussi, d'après le père de Abu Burda ibn Abi Musa, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui éduque sa servante de la meilleure façon, l'instruit de la meilleure façon, puis l'affranchit, l'épouse, aura deux récompenses. Et s'il croit en Isa ibn Maryam, puis en moi, il aura deux récompenses. Si le servant craint son seigneur et obéit à son maître, il aura deux récompenses. Al-Bukhari rapporte aussi, d'après Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la nuit de mon ascension au ciel, j'ai rencontré Moussa, et il le décrivit. Et dit: c'est un homme au visage fin, ressemblant aux hommes de Sanoua. J'ai également rencontré Isa, et il le décrivit, et dit: il est de corpulence moyenne, d'un teint rouge, et ses cheveux ruissellent comme s'il sortait du hammam. J'ai vu aussi Ibrahim. Je suis celui de ses descendants qui lui ressemble le plus. Non. Rapporté par Al-Bukhari Muslim et Ahmed également. Nous avons déjà mentionné ce hadith dans les récits de Ibrahim et Moussa. Et en plus, ça tombe bien, puisque nous, on a fait avant l'histoire de Moussa et l'histoire de Ibrahim. Non. Donc pour ceux qui s'en souviennent, on l'a déjà cité. Al-Bukhari rapporte, d'après Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu Isa ibn Maryam, Moussa Ibrahim. Isa avait le teint rouge, les cheveux frisés, la poitrine large. Quant à Moussa, il était mat de peau, corpulent, les cheveux lisses, comme les hommes de Az-Zutar. Al-Bukhari rapporte, d'après Abdullah ibn Omar, qu'un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était au milieu des gens. Et il évoqua Messie Dajjal, le faux messie, en disant: Allah n'est pas borgne. Allah n'est pas borgne. Tandis que le Dajjal est borgne de l'œil droit, qui ressemble à un raisin flétri. Je me suis vu en rêve cette nuit près de la Kaaba, et j'ai vu un homme mat de peau, du plus beau teint qui a été donné aux hommes. Les mèches de ses cheveux bouclées ondulaient sur ses épaules, et de l'eau ruisselait sur son visage. Les mains appuyées sur les épaules de deux hommes, il tournait autour de la maison d'Allah. Je lui demandais: qui est cet homme? On me dit: c'est le Messie, fils de Maryam. J'ai ensuite aperçu derrière lui un homme aux cheveux courts et crépus, borgne de l'œil droit, qui ressemblait le plus physiquement de tous les gens que j'ai vus à Ibn Qatan. Les mains posées sur les épaules de deux hommes, il tournait autour de la maison d'Allah. Je lui demandais: qui est cet homme? On me dit: c'est le Dajjal. C'est le Dajjal, wa l'ayyadu billah. On mentionna ensuite, d'après Az-Zuhri, que Ibn Qatan était un homme, en fait, de Khuza'a, un homme de Khuza'a mort avant l'avènement de l'islam. C'est quelqu'un qui est mort avant l'avènement de l'islam, avant la révélation. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ainsi décrit les deux messies, le messie de la droiture et le messie de l'égarement. Donc Jésus, Isa et El-Dajjal. Afin que les croyants puissent les reconnaître et suivre le premier et croire en lui lorsqu'il descendra et s'éloigner et prendre garde au second. Donc on a des caractéristiques physiques de Isa ibn Maryam et du Messie Dajjal. Non? Afin de le différencier. Non? Et donc de savoir qui suivre et de savoir de qui il faut s'éloigner, même si je dis il n'y a qu'avec la foi en vérité qu'on sera rapproché de Isa si on le rencontre, bien sûr, dans Alem et écarté de Dajjal. C'est pas une question de simplement je le connais avec les descriptions. Il y a des gens qui disent je veux en savoir plus sur le Dajjal. Il y a des gens qui disent comme ça. Et il y a des gens aussi qui font des posts, on pourrait dire, voilà, qui parlent à tort et à travers sur ce sujet sur internet. Le Dajjal il est là-bas, le Dajjal c'est ceci, le Dajjal c'est cela, c'est pour très bientôt. Et déjà, ils sont complètement ignorants des signes de la fin des temps. Ils sont complètement ignorants des signes de la fin des temps. Ils sont pas revenus au Kutub des ulama. C'est plutôt à leur passion et aux vidéos YouTube, on en a déjà parlé. Et du coup, ils sont là. Ils parlent à tort et à travers sur les signes de la fin des temps. Ah, on est en plein dans les signes. Ah, c'est la fin. Ah, c'est peut-être cette année. Ah, c'est ceci. Ah, le Dajjal. Et subhanallah. Mais ils se préoccupent pas de leur cas, de leur péché, de leur faute, de leur manquement. Est-ce qu'ils ont compris la religion? Ils ne comprennent pas grand-chose à la religion, mais c'est un sujet, ça, qui les fascine. Ça, c'est assez...
C'est assez triste de voir cela, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont rapportées à ce sujet et qu'on doit respecter des événements chronologiques dans l'avènement des signes. Et Al-Muhim, dans tous les cas, c'est pas une façon de parler de Dajjal de toute manière toute la journée comme ça sur Internet. Alors, de plus, il est dit qu'il apparaîtra lorsque les gens l'auront oublié. D'accord ? Lorsqu'il sera plus mentionné. D'accord ? Déjà, rien que ça, ça peut suffire à réfuter les propos d'un tel ou d'un tel. Encore une fois, je vous le rappelle, mes frères et sœurs, attention à qui vous prenez votre religion. Et attention à qui vous vous abonnez. Voilà. Hein ? C'est pas le tout qui est marqué islam ou ceci ou même salafi aujourd'hui. Il faut voir si la personne est apte à parler. Et de nos jours, tout le monde parle. Tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas apte. Voilà. À comprendre les choses et à les retranscrire. Et donc, je disais, oui, de toutes les manières. La description physique du Dajjal ne suffit pas. Ne suffit pas à qui ? À une personne qui ne fait que le connaître comme ça par la description, mais qui a un cœur vide de foi. C'est le cœur plein de foi qui te permettra, d'être préservé de la tentation du shaitan. C'est pas le tout de savoir le reconnaître. Il faut aussi pouvoir s'en écarter. Sa tentation sera très forte. Voilà que les gens avec une foi très très haute, voilà, des gens très pieux, voilà, qui pourront s'écarter de lui. Les autres succomberont. Beaucoup de femmes parmi ces gens-là. Voilà, y'a billah, Allah nous préserve. Ensuite donc, il mentionna ensuite après Zuhri, donc oui voilà je l'ai dit, on regarde au second, excusez-moi. Al-Bukhari rapporte aussi d'après Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Isa ibn Maryam vit un homme en train de commettre un vol, et il lui a dit, as-tu volé? L'homme répondit, pas du tout, je le jure par celui en dehors de qui il n'y a aucune divinité digne d'adoration. Isa dit alors, je crois en Allah et renie ce que mon œil a vu. Ibn Kathir mentionna ensuite un hadith similaire, rapporté par l'imam Ahmed. Non. Donc là, ici, ce qu'on voit, description d'Isa, Naam, et que le témoignage pour lui avait grande valeur. L'homme a juré par Allah qu'il n'avait pas volé. Naam. Pourtant, Isa vit un homme en train de commettre un vol. Ses yeux l'ont vu. Naam. Puis l'homme a juré. Et vu que l'homme a juré, il laisse cela à Allah Azzawajal. Il laisse cela. S'il a volé, Naam, et Allah le jugera. Naam. Et il a juré. Alors il préfère le serment de l'homme à son œil. Son œil a vu, mais l'autre lui a juré, juré par celui en dehors de qui il n'y a aucune divinité digne d'adoration. Et Issa, il a dit, moi je crois en Allah, donc je renie ce que mon œil a vu. Cela montre une nature saine, car il a donné la priorité au serment de cet homme en pensant que personne ne pouvait jurer par Allah et mentir. Même si aujourd'hui, bon, ça se fait, hein. Puis même ça s'est toujours fait. Il y a des gens qui arrivent à jurer par Allah en mentant fermement. Mais un croyant au cœur saint, il pense pas comme ça. Il se dit, si la personne jure par Allah, vraiment, Yanni, c'est que c'est vrai ce qu'elle dit. Non. Hein, donc il a eu le bon soupçon. Il a eu une nature saine. Il s'est dit, personne ne peut jurer par Allah et essayer de mentir. Plutôt, il a préféré ça plutôt qu'à ce qu'il a vu de ses yeux, ses propres yeux. Il a donc accepté son excuse et est revenu sur ce qu'il pensait en disant, je crois en Allah, c'est-à-dire, je te crois et je renie ce que mes yeux ont vu en raison de ton serment. Allahu Akbar. Nous, aujourd'hui, Naam, c'est très rare une personne qui va fonctionner de cette manière-là. Naam. Et en plus, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de menteurs et les gens jurent par Allah à tort et à travers. Al-Muhim. En tous les cas, le serment a la plus grande valeur. Même parfois, quand tu es complètement innocent, des gens n'ont même pas vu de toi quelque chose. Tu as beau jurer solennellement, les gens ne tiennent pas compte de cela. Pourtant, ils n'ont que des doutes. C'est même pas ils ont vu, non. C'est ils te soupçonnent d'eux. Mais Yanni, t'as beau dire, Wallahi, les gens ne tiennent pas compte. Voilà, ça c'est l'état de nos foi. C'est l'état de nos foi, Allah Musta'an. Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, vous serez ressuscité nu-pied, nu et non circoncis. Non, donc nu et non circoncis. Puis il récita un verset dans Surat Al-Anbiya, le 104, dans le sens, le jour où nous plierons le ciel comme on plie la feuille d'un livre, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Non, c'est la promesse de la fin des temps. Le premier à être vêtu sera Ibrahim. C'est la suite du hadith. Le premier à être vêtu sera Ibrahim. Puis on prendra des hommes parmi mes compagnons, de droite et de gauche. Et je dirai, ce sont mes compagnons. Et on me répondra, ils n'ont cessé de revenir sur leurs pas après que tu les aies quittés. Je dirai alors, comme le serviteur pieux Isa ibn Maryam,
Et si j'étais témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux, puis lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui les observais, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Naam. C'est-à-dire, ici, on aura des hommes parmi mes compagnons, des gens de sa communauté, de droite, de gauche. Le prophète A.S. dira, mais ce sont des gens de ma Ummah, sont mes compagnons. Et on lui répondra, ils n'ont cessé de revenir sur leurs pas après qu'ils aient quitté. Certains ont apostasié, d'autres ont innové, comme c'est rapporté notamment avec l'épisode du bassin. Al-Kawthar, les gens vont vouloir s'attrouper autour du prophète Aïssa al-Salam pour venir à Al-Kawthar, pour boire de ce bassin. Al-Kawthar, ça définit plusieurs choses. Ça définit le bassin, mais c'est l'abondance de manière générale, le bienfait continu. Et il y a plusieurs bienfaits qui ont touché le prophète Aïssa al-Salam, il n'y a pas que ce bassin-là. D'accord ? Ça, c'est rapporté notamment dans le tafsir de Surat Al-Kawthar. Et donc, ils vont vouloir, en tout cas, ce cas-là, boire ici de cette eau. Celui qui en boit n'a plus jamais soif, mais ils seront empêchés. Naam, les anges empêcheront. Le prophète Al-Salam va se poser la question, mais pourquoi ces gens-là sont rejetés, puisqu'ils sont des miens, d'apparence. Naam. Et en fait, ils ont innové. Ce sont les gens qui ont innové. Naam. Et qui seront rejetés. Qui seront rejetés. Du bassin. Voilà, il y a Yavubillah, quand Allah ne compte pas parmi eux. Donc c'est la même chose ici, c'est un sens similaire dans le hadith. Le prophète Aïssa ne peut pas savoir, justement si c'est une réfutation à ceux qui diraient il a des pouvoirs, Naam, qui font de lui une divinité, etc., notamment chez les soufis, il ne sait pas ce qu'il se passe, Aïssa al-Salam. Naam, s'il voit quelqu'un yamal qiyamah, il va dire c'est un des miens, il ne sait pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, il n'y a que Allah qui sait. Ça on l'avait expliqué dans les cours de Aqidah ou bien alors dans Kitab al-Tawhid, je ne sais plus. Mais on avait expliqué ce point-là pour ceux qui donnent des vertus au prophète Aïssa al-Salam qui le dépassent. Hein, des attributs de la divinité, etc. Allah Einstein, ça c'est pas correct du tout. C'est très très grave, c'est de la mécréance d'ailleurs. Et on n'a pas à attribuer ces choses-là à quiconque, pas même au prophète Aïssa al-Salam. Et preuve en est, il ne sait pas qui est qui fait quoi, d'accord ? Donc voilà, il sera étonné, mais il comprendra bien ensuite que s'ils sont rejetés, c'est parce qu'ils ont dévié de la religion. Naam. Wallahu a'lam. Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas qu'il a entendu Omar ibn Khattab dire sur la chair, j'ai entendu le messager d'Allah, Isa alayhi salam, dire « N'exagérez pas sur moi comme les chrétiens ont exagéré sur Isa. Je ne suis qu'un serviteur. » Donc dites « Le serviteur d'Allah et son messager. » Naam. Vous voyez ici, c'est un avertissement. C'est un avertissement justement pour ce que je vous disais juste avant, de ceux qui vont exagérer à son sujet. Naam. Notamment, il y en a quand ils vont commencer à l'invoquer, ou bien alors le prêter des vertus et des attributs qui ne lui sont pas propres, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'était qu'un homme, qu'un serviteur, le meilleur des hommes, le meilleur des serviteurs, la meilleure des créatures sans nul doute, mais un serviteur, un être humain, une créature, tout de même. Certains parmi les soufis disent que le prophète Aïssa al-Salam, il a été fait de lumière. Allah Einstein, ça c'est les anges. Le prophète n'était pas un ange, il était la meilleure des créatures. La meilleure des créatures, c'est-à-dire parmi les êtres humains, bien sûr. Les anges sont des créatures. Mais il n'était pas un ange. Naam. Et il n'est pas fait de lumière. Naam. Et autres sottises aussi rapportées par les soufis, on ne va pas s'y attarder. El-Muhim, toujours est-il qu'il est dit, et c'est pourquoi ça a à voir dans le chapitre de Isa, bien... Le messager d'Allah a dit « N'exagérez pas sur moi ». Donc c'est ce qu'on voit ici. Il n'y a pas de rouleau à voir sur le prophète. Comme les chrétiens ont exagéré sur Isa. Donc voilà, c'est ce qui nous intéresse ici dans le chapitre. Les chrétiens ont exagéré sur Isa et on le sait, on le voit. Naam, ils ont dévié. Ils ne l'ont pas réellement suivi. Du moins, ceux qui sont venus donc juste après. Et donc on fonde ensuite une secte qui n'a rien à voir avec ce sur quoi étaient Isa et ses compagnons de l'époque. Al-Bukhari rapporte aussi d'après Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Seules trois personnes ont parlé au berceau. Isa. Et il y avait parmi Bani Israël un homme du nom de Jurayj. Il était en train de prier lorsque sa mère l'appela. Il se dit « Vais-je lui répondre ou continuer ma prière ?» Et il ne lui répondit pas. Et sa mère dit « Ya Allah, ne le fais pas mourir avant que tu ne lui montres les visages des prostituées. » Tout d'abord, je marque un temps d'arrêt avant de finir le hadith sur cette notion-là. Naam. Deux choses à voir ici. Bon, seules trois personnes ont parlé au berceau et Isa. Et ensuite,
Il y avait, on voit l'histoire, un homme parmi Bani Israël, etc. Jurej. Il est en train de prier. Non. Il est en train de prier. Sa mère l'appelle. Vais-je lui répondre ou continuer ma prière? Il ne lui répondit pas. Sa mère se mit en colère. On voit ce qu'elle a fait. Alors, j'ai deux choses à dire par rapport à cela. Quand c'est une prière obligatoire, ta mère t'appelle pas, c'est pareil. Tu fais la prière obligatoire, tu ne lui réponds pas. Non. Maintenant, toute prière surérogatoire. Même Qiyam el-Layl, même ce que tu veux, même Rawatib, ce que tu veux. Tu fais une prière surérogatoire. Ta mère t'appelle, tu la stops, tu réponds, tu vas la trouver, voir ce qu'elle veut. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, à moins, j'ai bien dit à moins, que ta mère sache très bien que si tu ne réponds pas, c'est des choses que vous avez en accord, d'accord en accord, et tu as suffisamment de discussions avec ta mère pour savoir qu'elle ne va pas mal le prendre. Parce que si elle t'appelle une fois que tu ne réponds pas, elle sait que tu es en train de prier, tu vas la retrouver après, et c'est pas un problème. Dans ce cas-là, tu peux la terminer, il n'y a pas de mal, parce que c'est d'un commun accord. Mais si elle t'appelle, elle s'énerve, elle s'impatiente, et toi tu fais la prière comme ça surrogatoire, d'autant plus si elle dure, là il y a un nid, tu es dans l'erreur. La mère est prioritaire à la prière surrogatoire. Ceci dit, la réaction de sa mère est une exagération et c'est haram, elle n'a pas à faire ça. Elle a dit, Ya Allah, ne le fais pas mourir avant que tu ne lui montres les visages des prostituées. Ça, c'est pas correct. Donc, on a souvent comme ça des gens, parmi les parents, je parle, qui exagèrent dans les doigts contre l'enfant. On n'invoque pas contre l'enfant, c'est haram, c'est une doigt qui n'est pas permise. C'est pas correct, en tant que parent, d'invoquer contre l'enfant. C'est pas correct du tout. Alors là, voilà, ta mère lui a dit, Oh Allah, ne le fais pas mourir tant que tu lui as pas fait montrer les visages des prostituées, c'est-à-dire tant qu'il ne va pas faire la fornication, en fait, quoi. Hein? Hein? Et ça, ce n'est pas du tout correct. Alors, de nos jours, je ne sais pas quel type de doigt peuvent faire les parents, mais il y a des parents parfois qui invoquent contre leurs enfants, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça peut se réaliser. Allah peut exaucer cette invocation-là, et après, les gens comme ça vont pleurer, les gens vont... Et subhanallah. On n'invoque pas contre son enfant. Même si on est en colère contre lui. D'ailleurs, il y a une mère de savant, j'ai oublié son nom, Naam, mais une maman de savant qui était très en colère contre lui quand il était un jour plus jeune, et elle a invoqué, non pas contre lui, mais pour lui. Vous savez, elle était en colère, elle a dit « Allah, fais de lui un savant !» Et bien, la doua, elle est passée. La doua, elle est passée, il est devenu un savant. Donc, si tu es en colère contre ton enfant, fais-lui plutôt des doigts comme ça. « Allah, qu'Allah le guide, par exemple. Oh, Allah, guide mon fils. Alhamdulillah. Mais brise-le, ou ceci, ou impose-lui ça, ça, c'est pas correct. » Et on voit ça beaucoup, beaucoup chez les mamans en colère. Peut-être chez les pères aussi, mais c'est surtout chez les femmes parce qu'elles sont plus passionnées. Toujours les mères sont plus passionnées que les pères. Ça, c'est pas une chose nouvelle. Voilà, ça a toujours existé, j'ai dit. Donc ça, c'est ce que je voulais dire après lecture déjà de l'introduction du hadith comme ça. Elle a fait donc doa contre lui, ne le fais pas mourir avant que tu ne lui montres les visages des prostituées. Un jour, tandis qu'il était dans son monastère, une femme vint le voir et s'offrit à lui, mais il refusa ses avances. Elle alla donc voir un berger, s'offrit à lui et mit au monde un enfant. Naam. Donc, Jurej, il l'a rejeté. Elle est partie voir un berger et Yanni, elle s'offrit à lui. Lui, il a accepté. Il était faible et il l'a mis enceinte. On lui demandera un jour, Naam, qui est le père? À la prostituée, qui est le père de cet enfant? Et elle répondit, Jurej. Donc, elle a menti. Ils allèrent donc le trouver, détruisirent son monastère, le firent descendre de sa montagne et l'insultèrent. Ils l'ont pris pour un pervers. Il accomplit alors ses ablutions, pria, puis alla vers le bébé et lui dit, Oh mon enfant, qui est ton père? Et il répondit, le berger un tel. Et Issa, il a parlé dans le berceau, et l'enfant aussi, l'enfant de la prostituée, il a parlé, il a dit, c'est le berger. Les gens lui dirent, veux-tu que nous reconstruisions ton monastère en or? C'est-à-dire, ils se sont excusés. Ils ont dit, ah, subhanallah, on a mal agi envers toi, on t'a insulté, on t'a peut-être frappé, comme ça, on a détruit ton monastère. C'était pas toi, hein, le père, c'est pas toi qui as mis enceinte la prostituée, c'était pas toi. Non. Donc, ils ont dit, est-ce que tu veux qu'on reconstruise ton monastère en or, fait d'or? Il a répondu, non, seulement en terre. Reconstruisez-le, mais seulement en terre. Il y avait là une femme parmi Bani Israël qui allaitait son bébé, et un cavalier distingué passa à côté d'elle et lui dit « Oh Allah, fais que mon bébé soit comme lui. » Naam. Fais que mon bébé soit comme lui, c'est-à-dire comme le cavalier. Mais le bébé lâcha le sein et il dit « Oh Allah, fais que je ne sois pas comme lui. » Puis il reprit le sein. Naam. Il a fait de doa pour contredire sa mère. « Fais Allah, fais que je ne sois pas comme lui. » Et Abu Hurayra dit « C'est comme si je voyais encore le prophète sucer son doigt. » Naam. Puis elle passa, c'est-à-dire pour imiter le bébé avec le sein. Puis elle passa devant une servante et elle dit « Oh Allah, fais que mon bébé ne soit pas comme elle. » Naam. C'est-à-dire devant une personne, on va dire, pauvre. Elle a dit « Oh Allah, fais que mon bébé ne soit pas comme elle. » Le bébé, il lâcha encore le sein et il dit « Oh Allah, fais que je sois comme elle. » Elle lui dit « Mais pourquoi ?» Il lui répondit « Parce que le cavalier est un tyran et que cette femme a été accusée injustement de vol et de fornication alors qu'elle est innocente. » Et naam. Fin du hadith et fin de
fin de citation, Naam, par rapport à ce que dit le bébé. Donc, est-ce qu'on comprend? Bon, déjà les trois, ce qui nous intéresse dans le chapitre de Issa, les trois qui ont parlé au berceau, Issa, le fils de la prostituée qui avait accusé Jurayj, et puis aussi l'enfant dont la mère avait invoqué pour lui des choses, mais qu'il ne désirait pas, Naam, en vérité, puisque le cavalier, elle voyait un homme fort comme ça. Encore une fois, vous voyez les apparences. Les gens se basent sur les apparences. On pense que celui-là, il est beau, il est fort, il est grand. On voit les gens aujourd'hui avec il a une grosse voiture, il a une belle femme, donc il est comme ça, et tu ne connais pas ses soucis ou tu ne connais pas l'état de son cœur. Et il y a des gens, ils sont complètement ravagés, pourris de l'intérieur, ils ont des vies catastrophiques, mais tu les vois en apparence, mashallah, mleh, tu les envies presque. Mais tu rentrerais dans leur vie deux minutes, tu voudrais en sortir vite, rapidement, parce que c'est une horreur. Parce que c'est une horreur. J'ai connu des gens comme ça. C'est-à-dire qu'on peut, bien sous tout rapport, comme on dit, bien sous tout rapport, tu penses que de l'extérieur, ah, c'est enviable. Wallah, tu rentres dans sa vie, c'est une catastrophe, l'état de son cœur, il n'a pas de foi, il est en dispute avec tout le monde, il est... C'est des gens vraiment, ils ont des vies difficiles, bah, éloignés d'Allah, ça c'est sûr, c'est des gens éloignés d'Allah. Donc là, voilà, la mère, elle a vu le cavalier, elle s'est dit, ah, c'est un homme fort, c'est un homme fier, c'est un homme courageux, ah, je veux que mon fils soit comme ça. Le bébé, il a dit non, je veux pas, c'est un tyran celui-là. Puis après, elle voit une servante, miskina, comme ça, une femme, elle paye pas de mine, comme on dit. Ah, moi, je veux pas que mon fils soit comme elle, c'est-à-dire, voilà, une pauvre personne comme ça. Et lui, il a dit, le bébé, moi, je veux être comme elle, hein, c'est-à-dire, parmi ceux qui, bon, voilà. Ils se contentent déjà de peu, ils adorent Allah Azzawajal, et une personne accusée injustement de vol et de fornication alors qu'elle est innocente. Ils préfèrent être dans sa situation, hein, parmi ceux qui subissent l'injustice et qui seront secourus par Allah Azzawajal plutôt que quoi? Que d'être parmi ceux qui propagent l'injustice. Vous savez, parmi ceux qui propagent l'injustice, il y a deux cas, ceux qui propagent l'injustice et ceux qui la subissent. Mieux vaut vraiment la subir, on l'avait déjà vu au premier cours. Mieux vaut vraiment la subir, car parmi ceux qui la propagent, l'âme, et il y a ceux qui vont forcément tomber un jour. Hein. Sachez que ça ne dure jamais. Ça ne dure jamais. D'accord? Mieux vaut toujours être dans le côté, c'est ce qu'a pensé le bébé, il a eu raison, l'âme, du côté du lésé, voilà, tu es accusé de vol, de fornication, on parle sur toi, on critique, peu importe, que d'être du côté de celui qui opprime, même si... Dans un premier temps, tu penses que c'est lui qui a l'avantage, la suprématie, le pouvoir, ce que tu veux. Tu peux raconter ce que tu veux. Mais ça ne dure pas. De mes yeux, vraiment, de mes yeux, de mes oreilles, j'ai pu voir des situations comme ça. Des gens qui pensaient jouir des pleins pouvoirs, comme on dit. Écraser les gens, faire ci et ça. Et ces gens-là s'écrouler des années plus tard. S'écrouler, des catastrophes, s'écrouler comme des loques. Voilà. Ça arrive toujours. Faut pas qu'ils se demandent d'où ça vient. Et s'ils se demandent, c'est que vraiment, ils sont perdus. Vous comprenez ça? Ça, on l'attend, nous, en tant que croyants. Il n'y a pas de problème. Nous, on patiente. Fais ce que tu as à me faire. Continue de leur demander de parler sur moi ou de me faire ceci ou les accusations. Les croyants sont endurants. Moi et les autres, les frères et les sœurs, les hommes et les femmes, les petits et les grands. Les croyants qui subissent les injustices, ils peuvent se réjouir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On n'est pas dans la position de faiblesse. Au contraire, faut pas croire ça. Naam, tu as Allah comme allié. Patiente, c'est juste une épreuve pour toi. Tu patientes un temps, les gens, ils veulent te faire des problèmes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Faites ce que vous avez à faire. Toi, tu patientes, toi, tu endures pour ton Seigneur. En cela, tu es récompensé. Mais quand Allah va te venger, ça va être magistral. Allah, il va t'élever et l'autre, il va le mépriser, l'humilier. Vous n'avez même pas idée. C'est pour ça qu'il ne faut pas se défendre. C'est le nefs qui appelle à ça. Le nefs, il appelle à se défendre. Le nefs, il appelle à... Trouver une solution, il faut que je me venge. Non, non, mais on l'a vu dans la patience et le remerciement. On a fait quatre cours. Deux cours. Pas quatre, deux. Pour ceux qui se sentiraient opprimés en ce moment, dans une situation pareille, revenir à la playlist qui s'appelle « La patience et le remerciement ». « As-sabr wa shukr » d'Ibn Taymiyyah, on a expliqué cette toute petite épître. Non. Donc, en deux cours, simplement. Donc, si tu te sens comme ça, toi, opprimé, patiente. Ne te venge pas, comme on l'a expliqué dans les cours. Ne te venge pas. Tu te venges, tu vas rien changer de bon. Et puis, il se peut que tu passes du statut de lésé à celui qui lèse. C'est-à-dire, passer du statut de celui qui subit l'injustice au statut d'injuste. Parce que quand on se venge, on n'est jamais vraiment, vraiment carré, vraiment, vraiment réglo, et on dépasse souvent les bornes. On a de l'exagération dans la vengeance. Ça, c'est le nef, on ne sait plus le contrôler. Ça, c'est un. Et quand bien même tu reprendrais vraiment ton dû à sa juste mesure, il est mieux que ce soit Allah qui te venge plutôt que tu te fasses justice toi-même. D'accord? Donc à tous ceux voilà, qui oppriment, je leur passe un message, à tous ceux qui oppriment autrui, sachez que ça a une fin.
ça, ça a une fin, et ça vous fera tout drôle lorsque, lorsque la sentence va tomber, l'humiliation va arriver avec. Les gens, ils se pensent intouchables. Non, mais parfois, ça dure longtemps, des années. Ils se pensent intouchables. Ils font jusqu'au jour où, trace. Sachez que les gens, ils ont un seigneur. Que ce soit un enfant, il y a des gens qui maltraitent des enfants, par exemple. Non, il y a des gens qui maltraitent des enfants, et tu dis, ah, mais puisque c'est des enfants, je n'aurai jamais de problème. Cet enfant-là, il a un seigneur, et Allah va t'humilier comme il va le vouloir, subhanahu wa ta'ala. À travers l'enfant, à travers une personne qui va être au courant, tu vas payer. Ceux qui font du mal donc aux enfants, ceux qui font du mal aux femmes, aux épouses, naam, cette femme-là, elle a un seigneur, naam. Ceux qui accusent injustement les autres, ceux qui volent, ceux qui laissent, peu importe. Fais ce que tu veux, laisse les gens, tu peux le faire, t'as ton libre arbitre, mais sache qu'il y a un seigneur au-dessus de toi, tabaraka wa ta'ala. Un seigneur qui n'aime pas les injustes, subhanahu wa ta'ala. Ça ne dure jamais. Naam. Quant à celui qui est opprimé, ça ne dure jamais non plus. Allah, il rend toujours justice. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est juste un moment, comment dire, un mauvais moment à passer. C'est une épreuve. Mais n'ayez pas peur. Allah vous accordera votre haqq. Donc le bébé, il préférait être accusé, lui, bon, c'est une image, mais accusé injustement ici de vol et de fornication, comme cette personne-là, alors qu'elle est innocente. Mieux vaut être innocent, mieux vaut être l'innocent que le coupable. Hein, quand bien même. Wallah alam, c'est ce que je voulais dire. Al-Bukhari rapporte aussi, d'après Abi Hurayra, toujours que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je suis le plus digne de me réclamer du fils de Mariam. » C'est-à-dire, je suis le plus proche de Issa. Les prophètes sont tous frères, mais de mères différentes. Et il n'y a entre moi et Issa aucun prophète. Donc, c'était très proche dans la généalogie. Naam. Et Ibn Kathir rapportera ensuite plusieurs chaînes de transmission du même hadith. Donc, c'est un hadith connu. Naam. Voilà pour ce chapitre. Ce chapitre, donc, des descriptions et des vertus de Issa. Naam. On va continuer avec la descente de Issa à la fin des temps. La fameuse descente, les gens beaucoup ils parlent de ça, naam, le Messie va venir, naam, ceci et cela, le Dajjal, naam. La descente de Issa à la fin des temps, Ahmed rapporte d'après Abi Hurayra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les prophètes sont des frères, de mères différentes, mais leur religion est unique. » Voilà, je fais toujours un rappel, encore une fois sur cette chose-là. « At-Tawhid, le monothéisme pur, l'appel à Allah, cette manière-là, seul et sans associé, c'est la religion de tous les messagers. » Tous les prophètes et messagers n'ont eu que cette religion-là. Naam. Les prophètes sont donc des frères, mais de mères différentes. Et leur religion est unique. La da'wa au tawhid, c'est ce qui unit tous les messagers. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je suis le plus en droit de me réclamer de Issa ibn Maryam, car il n'y a eu aucun prophète entre nous. On est donc très proches. Il dit, si vous le voyez, reconnaissez-le à ses signes. Premièrement, c'est un homme bien proportionné, ni grand ni petit. Son teint est entre le rouge et le blanc. Non. Donc déjà tout d'abord, pourquoi il dit si vous le voyez? Parce qu'il est derrière. Il est derrière dans l'histoire. Non, parce qu'il va revenir. C'est parce qu'il est élevé et qu'il va redescendre. C'est pour ça qu'on dit aux gens si vous le voyez. Eh non. Non, c'est clair. Donc ça c'est un signe déjà, un dalil pour avoir la croyance que Issa va venir. Ce hadith par exemple. Non. Par exemple, il y en a d'autres. Donc c'est un homme bien proportionné. Non, son teint est entre le rouge et le blanc. On a l'impression que des gouttes coulent sur son visage, bien que ses cheveux ne soient pas mouillés. Il tuera le porc et brisera la croix. Et l'argent affluera. C'est-à-dire que ce sera une période, au moment qu'il y aura Issa, une période de paix déjà. Donc le porc sera tué, la croix sera brisée. Il y aura énormément de musulmans qui vont le suivre. Ce sera une période où les musulmans auront le dessus, auront la suprématie sur terre. Voilà, ils vont gouverner. Ce sera à peine une grande période de règne. Et l'argent affluera. Il n'y aura pas de famine, ce sera une période de paix, d'opulence, il n'y aura pas de famine, il n'y aura rien, l'argent affluera à un tel point. Celui qui trouvera un morceau d'or par terre aujourd'hui, dont on se précipite pour ramasser 20 centimes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On est là. Je dis 20 centimes, naam. Il y a des gens peut-être qui vont rire, ils vont dire non, moi je ne me ramasse pas pour 20 centimes. Tu ne ramasses pas un billet de 20 euros? D'accord, on est d'accord. Peut-être que l'exemple de 20 centimes n'était pas assez convaincant. Qui ne ramasse pas un billet de 20 euros? Personne. Personne. Personne ne me dira, moi le billet je le regarde, je ne le ramasse pas. Bah, sachez mes frères et sœurs, quand on dit l'argent affluera, à cette époque-là, naam, l'or que tu pourrais te repartir, tu ne vas même pas le ramasser, tu shooteras dedans, comme on dit. Tu donnes un coup de pied dedans. Voilà. Comme une canette vide, comme femme d'un bâton, c'est ça. Il y aura tellement que ça te sera égal. Naam. Donc pour ceux qui disent que Issa arrive demain, on en est quand même assez loin. Naam. Hein? C'est juste pour vous dire que les signes sont à étudier à la lumière du Coran et de la Sunna,
et pas les gens, oh, j'ai vu une femme qui a forniqué dehors, oh, il est méchant Trump, oh, c'est la fin du monde. Les gens, c'est ça. Là, ils font, oh, c'est la fin du monde, ça arrive, c'est... So, bah, on est dans des petits signes. Et il peut y avoir encore 4000 ans avant la fin du monde. Personne ne sait. Ça peut être 1000, 4000, vous comprenez? Personne ne sait. Les gens, ils sont là, ils font des plans. Il y a eu 2000, il y a eu 2012, machin, voilà. Mais ça, parmi des musulmans, je parle. Parmi des musulmans, il y a des gens, ils se fascinent pour ça, et ils inventent des... Ils exacerbent la chose, et ils inventent des choses, mais ils veulent faire peur aux gens. Mais il n'y a pas d'ilm derrière tout ça. Hein, celui qui a un petit peu d'ilm, ça, c'est notamment dit dans l'introduction du livre, justement, les petits et les grands signes de la fin des temps. Le livre qu'a traité Cherchez la vie pour sa série courte, j'ai le même. Ce livre-là, Les signes de la fin des temps, il est yani, dit en introduction justement que les gens sont dans un fantasme et n'ont pas étudié. Parce que quiconque étudierait un petit peu les signes verrait qu'il y a une chronologie, que c'est pas comme ça, c'est pas possible. Voilà. Celui qui a de la science, il va regarder les signes, il va comprendre bien des choses. Encore faut-il y revenir avec sincérité, avec conviction, avec foi. Et ne pas fantasmer sur ce sujet. Non, el muhim. Donc l'argent affluera à son époque. Hein, tuera le porc, brisera la croix et l'argent affluera. À son époque, à part l'islam, toutes les religions auront succombé. Il n'y aura plus de religieux parmi les juifs, les chrétiens, etc. Il n'y aura plus aucune religion. Seul l'islam résistera. Allah anéantira alors le messie des ténèbres, le borgne, le menteur, via Issa. Il permettra à Issa de le tuer. Il n'y aura que Issa qui pourra le tuer. Non. La paix régnera sur terre, je vous le disais. Le lion va paître avec les chameaux. Vous imaginez un point de paix comme ça? Imaginez, aujourd'hui c'est la guerre totale. C'est la guerre totale, les gens se font la guerre, c'est pour l'argent, pour le pouvoir, non. L'islam est loin d'être la seule religion. Même si évidemment c'est la seule et unique qui est valable. Mais loin de là. Imaginez l'époque de Issa, l'époque de bien-être. Il n'y a que l'islam. Il a brisé la croix, tué le porc. L'argent coule, non, à flot comme on dit. La paix règne sur terre, le Messie Ad-Dajjal est tué. Et imaginez le lion, tellement il y a une sakina, il va paître avec les chameaux. Le lion, il sera en paix avec les chameaux, subhanallah. Hein? Le tigre, avec les vaches. Et le loup, avec les moutons. C'est pour vous dire, la période de paix, subhanallah, cette période-là, vraiment, c'est quelque chose. Les enfants s'amuseront avec les serpents sans craindre le moindre mal. Il n'y a plus de mal sur terre, quasiment. Et il restera 40 ans sur terre, et ça avant de mourir. Les musulmans prieront ensuite sur lui et l'enterreront. Naam. Donc ça, c'est un hadith authentique, qualifié d'authentique par Sheikh Al-Albani. Un grand hadith dans la croyance. Un grand hadith rapporté par Ahmed Abi Daoud et qualifié d'authentique par Sheikh Al-Albani. Naam. Et donc, bien sûr, après les 40 années environ de vie de Issa, et après il est enterré, etc., ce n'est pas la paix pour toujours. Hein? Lorsqu'il y aura la fin des temps, il n'y aura plus de musulmans. Il n'y aura plus de musulmans, pour ceux qui ne le savent pas, les derniers des croyants mouriront par un souffle, un vent qui les emportera. Il y aura un vent, et lorsqu'ils vont respirer ce vent, ils vont tomber morts. Non. C'est une miséricorde en vérité, Allah les tue pour leur bien, pour ne pas qu'ils voient la fin du monde. Parce qu'au moment où il y a la fin du monde, il n'y aura plus du tout le nom Allah qui sera mentionné. Il n'y a plus une personne sur terre qui dira Allah. Les pages du Coran seront effacées. Il n'y aura plus le Coran, il n'y aura plus la mention d'Allah, il n'y aura plus rien. Rien que des koufars qui font la perversité. Donc la période de paix, elle est loin, elle est passée, naam. Et il n'y a plus que les pires créatures sur terre, et là, l'heure est envoyée. Et là, c'est un moment terrible. Là, c'est un moment terrible. Mais il n'y a aucun croyant qui va la voir, cette heure-là. Il n'y a aucun musulman qui va assister à la fin des temps. Il n'y aura que des koufars, que des koufars. Le musulman, même s'il était caché au fin fond d'une grotte ou sous un matelas, le vent, il va le toucher quand même. Ce souffle-là va le toucher et il va mourir. Il va rien sentir, il va mourir, il va comme on dit, presque s'endormir. Naam, il est mort. Enfin, Allah l'a rappelé à lui. Pour son bien. Naam. Parce qu'il ne peut pas voir ça, la fin du monde. Ça, c'est réservé au pire des créatures. Naam. Donc c'est un sujet qui est intéressant, encore une fois, je le dis, mais c'est un sujet qui doit être traité bi'ilm. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, que vous partiez dire « Oh, ça m'intéresse, je vais aller regarder, je vais cliquer. » Il y a là les égarés qui racontent énormément de choses fausses sur Internet. On ne peut pas se baser sur leur dire. Un tel dit que, non. Si ça t'intéresse, tu achètes un livre de confiance, tu suis une série de cours de confiance à ce sujet, comme quand tu apprends Tawhid, tu apprends pas Tawhid comme ça avec le poissonnier du coin. Là, c'est pareil. Et pour les signes de la fin des temps, j'ai l'impression que les gens sont plus laxistes, comme s'il se disait chacun pouvait en parler. Non, c'est une science, c'est une prophétie, subhanallah, il y a des hadiths. Tu peux pas dire il va se passer comme ci, il va se passer comme ça. Non, n'écoutez pas les gens qui parlent
du Dajjal ou de la fin des temps ou du Messie à tort et à travers. Vraiment, mettez des œillères sur ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui circulent. Je vois énormément de choses fausses tronquées sur Internet. Voilà, et je l'avais déjà dit, si vous voulez, puisque moi j'ai pas encore fait le livre, voilà, je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais le faire, mais pour ceux qui veulent y revenir, cherchez la Bible, a donné une série de cours, des bons cours, là, sur ce sujet, sur ce livre. Vous pouvez aller sur son site, chalabi.com, et puis vous reporter à sa série de cours. Je crois qu'il l'a traité en pas moins de 52 ou 54 cours, voilà, ou 60, je sais plus. Mais il a fait une belle série de cours, mashallah, ta'ala, na'am. Donc voilà pour ce hadith. Nous avons mentionné, dit Ibn Kathir, la descente de Isa à la fin des temps aussi dans Al-Malahim, dans Al-Tafsir, en explication de la parole d'Allah Azzawajal. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, le Messie, avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Non. C'est dans Surat An-Nisa. Également, dans Surat Al-Zuhruf, il est dit dans le sens, sa descente sera un signe de l'approche de l'heure. Un signe de l'approche de l'heure. Oui, mes frères et sœurs, pour ceux qui disent « la fin des temps, la fin des temps, la fin des temps », on est dans les petits signes, comme j'ai dit, même pas dans les grands signes. On est dans les petits signes, j'ai dit, et même pas dans les grands signes. Et que dire? Que la descente de Isa, et ça, il y a un livre, c'est dans le Coran. Dans le Coran, donc il n'y a pas de doute à ce sujet, Naam. Sa descente sera un signe de l'approche de l'heure. C'est même pas encore l'heure. La descente de Isa, c'est un signe de l'approche de la grandeur. Mais on en est encore loin, parce qu'il faut qu'il règne. Vous imaginez l'égarement de ces gens-là? Quand je vous dis qu'ils sont égarés, qu'ils parlent de fin des temps, de fin du monde, il est où Issa? Dis-moi que j'aille le rejoindre. Il est où Issa? Moi, je vais être derrière lui, je vais prier derrière lui, moi, le matin. Il est où Issa? Il est où? Il est pas là. Dajjal, il est pas là. Issa, il est pas là non plus. Les gens, ils parlent de l'heure avec un grand H, de la fin des temps. Il n'y a pas. Mais ils se préoccupent pas de leur fin des temps, leur propre mort. Ils n'apprennent pas de dîn. Mais ils sont fascinés par ce sujet. Or, le verset, il est clair, sa descente sera un signe de l'approche de l'heure. Eh oui, parce qu'il faut déjà qu'il arrive, qu'il descende, qu'il règne pendant une quarantaine d'années, et même là, après, c'est pas l'heure directe. Plutôt, son arrivée, sa descente, et ça, c'est un signe, c'est déjà un signe de l'approche de l'heure. Mais l'approche, c'est vague, puisque l'arrivée du prophète, et salat wa salam, l'avènement de l'islam, c'était déjà un signe de l'approche de l'heure. Et quoi? On est à 1500 années plus loin, plus tard, hein, 1439. 1440, non. C'est ça? Donc presque 1500 ans environ. Presque 1500 ans plus tard. Donc il y a des gens, ils pensent que c'est la semaine prochaine. Non, que c'est l'année prochaine. Subhanallah. Il n'y a pas de science derrière tout ça. C'est un sujet qu'on peut traiter, on peut en parler, on a des hadiths, mais il faut de la science. Je me répète beaucoup, mais au moins, vous serez affranchis sur ce sujet. Personne ne parle de la fin du monde sans ilm. Et de rien dans la religion d'ailleurs, sans ilm. C'est pas possible. Il y a tout petit peu de réflexion comme ça, on l'a vu. Déjà, le prophète Aïssa al-Salam dit que sa venue, c'est un signe de l'heure. Naam, et pourtant, des années passent, on est toujours dans les petits signes, il y a des grands signes à venir. Parmi les grands signes, c'est la venue d'Aïssa, effectivement, un signe, un grand signe de l'approche de l'heure. Et après, il se passera encore des choses, et peut-être après, il y aura encore des années, wallahu a'lam, avant l'heure, avant la fin des temps. Naam. Et donc, voilà, il était dit ça. Sa descente sera un signe de l'approche de l'heure, n'en doutez point, et suivez-moi, voilà un chemin droit. Naam. C'est sur le Coran. On continue sur la descente de Isa. Il est dit qu'il descendra sur un minaret blanc à Damas. Il va descendre, Naam, sur un minaret blanc, d'accord? Descendre du ciel et atterrira sur un minaret blanc à Damas. Il est aussi rapporté, je ne sais pas si c'est dit ici, qu'il sera avec une étoffe couleur un peu jaune. Naam. Couleur un peu jaune safran. Naam. Il descendra donc sur le minaret blanc alors qu'on aura appelé à la prière de l'aube, donc au Fajr. L'événement sera fait. Et l'imam des musulmans dira, il le verra, préside-nous, ô esprit d'Allah. Il dira, ya Isa, fais la salat. Mais il répondra, non. Non, non, c'est à vous de le faire, c'est vous qui êtes les chefs les uns des autres. Par honneur qu'Allah a accordé à cette communauté. Donc voyez l'humilité d'Isa. Pourtant, c'est bien sûr à ce moment-là le gouverneur des croyants. C'est lui le gouverneur, ça y est. Il juge avec l'islam, bien sûr. Il ne vient pas avec la législation qu'Allah lui a envoyée avant. Il vient juger avec le Coran, non pas avec l'Injil. Hein, il est musulman, mais avec la législation en vigueur. Il n'est pas nouveau prophète après le prophète Aïssalat wa salam. Ça, il faut le comprendre. Il vient en tant que suiveur de Mohammed Aïssalat wa salam. En tant que compagnon, même si Naam, il ne l'a pas connu. En tant que compagnon, en tant que suiveur du prophète Aïssalat wa salam. Et compagnon n'est pas correct puisque le terme compagnon désigne ceux qui ont rencontré le prophète. Mais quand je dis compagnon, dans le sens, hein, suiveur, frère.
pas un nouveau prophète. Il ne vient pas avec une nouvelle législation. Il vient avec l'islam. Naam, mais c'est lui le gouverneur à ce moment-là. Ah oui, il est plus en droit d'être le gouverneur. Qui d'autre que lui serait gouverneur? Et pourtant, l'humilité, il dit non, non, non. Continue de présider ta prière. Et dans une autre version, Issa lui répondra, c'est pour toi qu'on a appelé à la prière. C'est toi l'imam, c'est pour toi que c'était prévu, pas pour moi. Et donc Issa, il priera derrière lui. Vous imaginez? Vous avez Issa en train de prier derrière vous. Subhanallah. Puis il partira avec lui les musulmans à la recherche du faux messie. Donc, ce jour-là où il descend, hein, il fait le Fajr, puis il part à la recherche du Masih ad-Dajjal. Et il trouvera le Masih ad-Dajjal à Bab Lourd. Et il le tuera de sa noble main. Naam. Nous avons mentionné que l'espoir s'est renforcé lorsque ce minaret à l'est de Damas a été construit de pierre blanche. Il a d'ailleurs été construit avec l'argent des chrétiens après qu'ils aient brûlé l'ancien minaret et ses alentours. Donc vous voyez, Al-Qadar, comment Allah il fait les choses. Yani, l'espoir, il est dit, voilà, l'espoir s'est renforcé. C'est-à-dire, on ne doute pas. Al-Yaqin doit être là. On lit les hadiths, bien sûr. On lit le Coran. Très bien. Il y a un verset qui dit que. Très bien. On lit les hadiths. Très bien. Il y a un hadith qui dit que. Ça, c'est ilm al-yaqin. Mais il n'est pas interdit de dire l'espoir se renforce quand on voit des signes. Il n'y a pas de doute qu'on sait que Allah exauce les invocations. C'est une théorie. Mais quand Allah exauce ton invocation, n'est-il pas que ta foi monte? Bien sûr que ta foi monte. C'est évident. De même, je vous l'avais déjà dit, une chose qui m'a toujours plu et fait monter la foi, juste l'application d'un hadith, cette chose... Le fait de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » lorsqu'un âne braie. C'est simple hein, comme chose. L'âne, il braie et il nous est demandé de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » parce qu'il a vu des shayatines. Voilà pourquoi il braie. Et lorsque je le dis, ça s'est passé 10, 15, 20 fois, il a toujours arrêté de braire par la suite. Des choses comme ça. Ça donne l'espoir. Ça raffermit la foi. Quand tu médites, naam, quand tu invoques, tu es exaucé, naam, quand tu vois certaines choses, el muhim. Tout un tas de choses, des signes aussi, des signes, quand tu vois là, tu vois certaines choses, des petits signes de la fin des temps, tu vois que ça rentre exactement dans le hadith, etc. El muhim. Il y a l'yaqin, il y a l'ilm al-yaqin, tu as la science de la certitude, bien sûr. Puis après, les choses commencent à apparaître sous tes yeux, et forcément ça fortifie, puisqu'on a vu que le yaqin était de trois. Est-ce que quelqu'un se souvient des trois types de yaqin ou pas? Est-ce que quelqu'un se souvient des trois types de yaqin? Non. La certitude est de trois. On va dire, pas une basse, mais une basique. Voilà, et une meliakine, donc que je disais. Tu sais que ça, c'est comme ça, et après quoi? Et après, il y a deux échelons encore plus haut. Donc, l'espoir peut être tout à fait renforcé. La certitude peut se renforcer. Il y a trois degrés de certitude. C'est pas juste, je suis certain. Non. Une meliakine, haq al-yakine, une meliakine, wallahu alam. C'est pas dans le bon ordre. C'est pas dans le bon ordre. Le bon ordre, c'est ilm al-yaqin, ayn al-yaqin, haqq al-yaqin. Ilm al-yaqin, c'est la science de la certitude. Je lis le hadith, je suis certain que, admettons, Issa, il est dit, il va descendre sur un minaret blanc à Damas. Très bien, je l'ai lu. J'ai ilm al-yaqin. Mais l'espoir s'est renforcé, dit Ibn Kathir, parce que ce minaret à l'est de Damas, il a été construit. Ça y est, depuis, c'est réel. Il a été construit de pierres blanches, subhanallah. Et il a d'ailleurs été construit avec l'argent des chrétiens en plus, alhamdulillah, après qu'ils aient brûlé l'ancien minaret et ses alentours. Donc ils avaient brûlé, il y avait un minaret avant qui n'était pas fait de pierre blanche. Et dans Qadar, vous voyez comment ça s'est passé, il a été brûlé et les alentours aussi ont été brûlés. Il a été reconstruit de pierre blanche. Et jusqu'à nos jours, il est là. Là, un minaret blanc donc à Damas. L'espoir se renforce donc parce que quoi? On est devant Ayn al-Yaqin. On avait la science de la certitude, maintenant on a l'œil de la certitude. Et haqq al-yaqin, c'est la certitude pleine, c'est la certitude véritable. C'est quand tu verras Issa, par exemple. Ça y est, il est devant toi. Ça y est, là, c'est, tu le touches, tu le vois, ça y est. Non, haqq al-yaqin, là, c'est plus... Non, vous comprenez? Donc la certitude, elle a des degrés, il n'y a pas de mal à dire j'ai été rassuré, ou l'espoir s'est renforcé, ou ma foi a monté. Non, c'est normal. C'est pas que tu doutes avant. Mais c'est que des fois, on l'a vu dans plusieurs histoires prophétiques, les prophètes ont demandé à Allah des signes, des choses supplémentaires pour être apaisés dans le cœur. Moussa, Ibrahim, tout le monde, ils ont demandé Naam. C'est humain en fait de chercher à se rassurer à Naam. Et Alhamdoulilah, et tous les jours, je pense, on essaye en tout cas, on voit des signes, des preuves, des choses qui nous arrivent, qui nous raffermissent sur la croyance en Allah Azzawajal, on demande à Allah de nous raffermir avec des signes Naam. Donc, l'espoir s'est renforcé avec la construction de ce minaret en pierre blanche. Il descendra donc sur ce minaret, il tuera le porc, brisera la croix et n'acceptera que l'islam. Naam.
Puis il se mettra en état de sacralisation à partir du col de Ar-Rawah et il accomplira l'Hajj ou la Umra ou les deux. Et il vivra sur terre 40 ans, puis il mourra et sera enterré, selon ce qu'on rapportait dans l'appartement prophétique à côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons. Et ce sujet contient plusieurs ahadiths. Ibn Asakir aussi rapporte à la fin de la biographie du Messie, donc de Isa, d'après Aïcha, qui attribue ses propos directement au prophète, alayhi salam, que Isa serait enterré avec le messager d'Allah, alayhi salam, Abu Bakr, Omar ibn Khattab, dans l'appartement prophétique. Mais la chaîne de transmission de ce hadith n'est pas authentique. Donc on ne tiendra pas compte de cela. C'est rapporté cependant par Al-Tirmidhi, mais qualifié de faible par Shirel al-Bani. Shirel al-Bani l'a qualifié de faible. Non. J'en profite aussi pendant qu'on est dans la période où les gens parlent d'école, de madhahib, de madhab, de hadith, d'authenticité, etc. Les gens écoutent tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, et ceux qui commencent à critiquer Shirel al-Bani, à dire que c'est quelqu'un d'âme qui n'avait pas de science, qui s'est trompé dans l'authentification des hadiths. Je dis Allah al-Musta'in. Je dis Allah al-Musta'in. Le travail qu'il a fait, il est immense. Il est reconnu par tous les savants de la sunna. Je le dis, hein. Ici, il n'y a qu'un soufi ou un haddadi pervers pour critiquer Shirel al-Bani. Très clairement. Vous voulez un signe, non, de la bonne guidée, même si la bonne guidée ne se résume pas à ça, j'en conviens bien, mes frères et sœurs. Mais un signe de bonne guidée ou un signe d'égarement aujourd'hui chez les gens. Oui. Regardez un petit peu comment les gens parlent des savants. Est-ce qu'ils s'y sont attachés? Si les gens ne parlent jamais des savants, c'est-à-dire ni en bien ni en mal, c'est qu'ils ne s'y sont pas attachés. C'est mauvais signe. Non. Et de l'autre côté, s'ils en parlent mais en mal, si tu entends qu'on critique Charabé, recule-toi de cette personne-là. Ça, c'est les savants qui disent comme ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas de ma tête. Pour ceux qui disent, ils parlent de sa tête. Je parle jamais de ma tête. Billah Azzawajal, je parle jamais de ma tête. Tout ce que je dis, il y a un dalil, il y a un salaf, il y a ce que vous voulez. Ça, les sincères, ils le comprendront aisément. Puis, comme on dit toujours, les gens qui cherchent la polémique, mais moi, je ne dors pas mal la nuit à propos de ma da'wa, walhamdulillah. Tout ce que je dis, il y a une source, il y a quelque chose, ça se trouve toujours. Na'am. Quand je dis quelque chose, il ne faut pas se méfier, pas douter ou na'am. Vous pouvez, comme je dis, avoir confiance, et ça s'est prouvé maintes reprises que j'ai toujours dit ce que disaient les savants en vérité. Donc je n'ai pas de problème avec ça, na'am. Donc, ceux qui critiquent Charabia, écartez-vous-en. Également, ils aussi, ceux qui critiquent Shirel al-Bani, écartez-vous-en. C'est déjà, en fait, Cher Rabia, et encore une fois, c'est les savants qui le disent, hein. Cher Rabia et Shirel al-Bani sont des gens, en vérité, qu'Allah a envoyé comme test. Non, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, si tu les aimes, c'est comme l'imam Ahmed, à son époque. Celui qui combattait Ahmed n'était pas sur la sunna. Celui qui était avec Ahmed, c'est un sunni. C'est des gens test. Allah Ta'ala, il met des gens, des fois, pour tester les autres. Eh bien, si tu vois quelqu'un qui critique Cher Rabia, vraiment, c'est un égaré. Quelqu'un qui critique Shirel al-Bani, vraiment, c'est un égaré. C'est des gens test comme ça. T'es obligé d'aimer Cher Rabia et Cher al-Bani. Tu peux pas faire autrement. C'est vraiment, c'est les savants qui parlent comme ça. Tu peux pas faire autrement. Comme à l'époque, tu pouvais pas faire sans l'imam Ahmed. C'est comme ça. T'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix. Ce sont des gens d'âme qui ont secouru la religion d'Allah Ta'ala, en qui ont fait un travail immense. Donc quand j'entends aujourd'hui des gens parmi les gens d'innovation, j'ai même pas cité leur nom, mais c'est les prêcheurs là, francophones, les pseudo-prêcheurs là, francophones, qui viennent dire. Alors, eux, ils ramènent des hadiths da'if, ou da'if jidden, et ils les authentifient avec leur sauce à verre. Pour eux, c'est authentique, ils se basent dessus. Puis le travail qu'a fait Shirel al-Bani sur l'authentification, ils le rejettent. Ils disent, non, ça c'est faible. Vous imaginez? Donc, ils dérespectent le travail de Shirel al-Bani, rahmatullah alayhi, et ils disent, il s'est trompé, c'était pas comme ça, il a pas suivi un manhab, il a appris dans les livres. Le travail qu'a fait Shirel al-Bani, il était très, très pur. Non, mais justement, il a pas été influencé, Shirel al-Bani. Il a suivi que le dalil, la preuve. Très grand travail reconnu à l'unanimité des ulama, travail de Shirel al-Bani. Il n'est pas le seul muhaddis à cette époque, mais on entend souvent authentifié par Shirel al-Bani, qualifié de fait par Shirel al-Bani. Ce n'est pas pour rien. Sachez que ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Hein? Sachez que ce n'est pas pour rien. On peut se baser là-dessus. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui se disait salafi, na'am. Et il me parlait d'un hadith, na'am, ibn Rajab, et puis Ahmed et ceci. Je lui dis, ouais, mais akhi, Shirel al-Bani, il l'a rendu faible. Il a dit, moi je me fisse, hein. Shirel al-Bani le rend faible, mais le hadith il est remonté comme jusque-là, il est rapporté par Ahmed. Donc voilà, les gens se lancent dans la science du hadith, c'est pas une question de y remonter jusqu'à Ahmed ou pas Ahmed. Non, les hadiths on dit qu'ils sont rapportés jusqu'au prophète Aïssalat Salem, comme celui-là. Mais, il faut voir si la chaîne de transmission n'est pas authentique. C'est pas parce que Yerni, il aurait été rapporté d'un tel qu'il est forcément authentique. Parce que les éléments permettant de juger l'authentification des hadiths
d'âme, ah, n'était peut-être pas parvenu à la personne à l'époque. Cheikh El-Albani, il a fait un travail minutieux, parce que Cheikh El-Albani, il y a quoi ? Il a environ, hein, il y a environ 1350-1400 ans de sources derrière lui, d'archives. Il peut faire un travail beaucoup plus minutieux que d'autres avant. J'ai pas dit qu'avant, il ne s'y connaissait pas dans la science du hadith, c'est pas ce que je dis. Mais pour trouver une chaîne de narration à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que l'époque de Cheikh El-Albani, par exemple. C'est pour ça qu'Abi Hanifa, il s'est beaucoup trompé. Vous voyez aujourd'hui les gens qui suivent aveuglément Abu Hanifa. On ne dit pas qu'Abu Hanifa n'est pas un savant de la Sunna ou n'est pas. Non, non. Mais ceux qui suivent aveuglément Abu Hanifa vont beaucoup se tromper. Parce qu'Abu Hanifa s'est beaucoup trompé. Mais il sera beaucoup pardonné. Parce qu'il a fait avec ce qu'il a pu à son époque. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Il a fait avec tout ce qu'il a pu. Mais il n'avait pas tous les éléments. Il fallait commencer à l'époque. Ça, je l'ai expliqué dans mon audio. Suivre un manhab ou suivre la salafia. Je l'ai expliqué ça. C'est pas un manque de respect envers Abu Hanifa, Abedan. Il a fait un gros travail, il était parmi les pionniers, les premiers à commencer à venir à parler de cette science et à répertorier les hadiths, etc. Mais il a ramené beaucoup de choses fausses. Et qu'Allah lui pardonne, ce n'était pas voulu. C'était un grand savant de la Sunna, Abu Hanifa, très très grand savant. Hein ? Vous comprenez ? Donc il y a des époques aussi à prendre en compte. Et aujourd'hui, on a des choses qui sont beaucoup plus répertoriées et beaucoup plus claires. Cheikh El-Albani, il a fait un travail immense. Il a passé sa vie à lire et à chercher le hadith. D'accord ? Donc quand on entend des gens qui viennent dérespecter, je dis, son travail, en douter, ou... en fait ils veulent écarter les gens des savants, encore une fois. Ils veulent écarter les gens des savants et dire non, moi c'est moi. Donc par exemple, hein, pour ne citer que lui, hein, c'est une catastrophe cet homme, Islam Ibn Ahmed, qui dira comme ça, Cheikh El-Albani, en gros c'est un clown, il s'est trompé, voilà, il vient, c'est lui qui te fait Islam Ibn Ahmed, ce grand ignare, voilà, ce grand soufi, vient et dit, non, ça c'est daïf, ça c'est authentique, c'est eux qui choisissent en fait, c'est quand ça leur arrange en fait, c'est quand ça rentre dans le sens de leur passion, ils vont rendre un hadith authentique ou faible, c'est tout. Et Cheikh El-Albani, il vient de dire, il s'est trompé, d'ailleurs il fait des vidéos comme ça, Cheikh El-Albani s'est trompé, Cheikh El-Albani a faux, etc. C'est pas possible, hein, parmi lui, il y a Benjrafil, il y a l'autre aussi, Abou Mama, il y en a plein. Si vous entendez sa critique, Cheikh El-Albani ou Cheikh Rabi, écartez-vous-en comme de la peste. Écartez-vous-en comme de la peste de ces gens-là. C'est des catastrophes. Et des gens, ils vont vous tirer vers les profondeurs du feu. Je préfère être clair avec vous. Les gens, ils vous amènent dans du couvre, dans de la bida, c'est une catastrophe. Hmm ? Le peu de gens qui ont commencé à écouter ces gens-là. Il y en a un, il vient me revoir une fois, il me dit, Ahri, j'ai pour croyance maintenant que Cheikh El-Albani, il est mécréant. Et il pleurait. Comment je peux faire ? Je suis convaincu qu'il est mécréant. Je dis quoi ? Il me dit, oui, Cheikh El-Albani, c'est un kafir. Je dis, mais qui t'a traîné, toi ? Femme, avec qui t'as traîné, y'a miskin ? Non, mais j'ai parlé hier soir avec un frère. Subhanallah. Et maintenant, il me dit, Cheikh El-Albani, il est mécréant. Mais tu sais, je l'aimais bien, Cheikh El-Albani. J'ai dit, ah, Allah, dès qu'Allah te pardonne, reviens vers nous. Je lui ai expliqué un petit peu, après, il est revenu, il a repris ses esprits. Et... Mais on peut pas forcer les gens. Moi, j'ai pas un collier autour de votre cou, comme ça, je vous tiens pas, hein, comme ça. Hein. Donc, j'ai pas un œil sur vous toute la journée. Si vous vous disciplinez pas, vous allez sombrer. Ça, on l'a déjà dit et redit. N'écoutez pas les sectaires, n'écoutez pas un tel, même si ça a l'air tentant. Tiens, pourquoi il critique Cheikh El-Albani ? Si critique Cheikh El-Albani, pourquoi tu cliques sur sa vidéo ? Ça me fait rire. C'est un petit peu comme ceux qui quoi ? Il y a des vidéos sur internet d'islamophobes, d'athées, ce que vous voulez. Critique l'islam. Oh tiens, je vais cliquer dessus. J'ai rien à faire. Y'a miskin. T'as rien d'autre à faire, vraiment ? Oh tiens, il y a des ambiguïtés. Si j'allais mettre des ambiguïtés dans mon cœur, c'est vrai que j'ai rien à faire. Il clique. Après, il doute de l'islam. Tiens, ah, j'ai des waswas dans ma prière. Et après, on viendra nous dire qu'on est méchant, qu'on n'a pas de miséricorde, parce qu'on crie sur les gens pour leur dire de s'écarter des sectaires et des athées. Bien sûr, on est très méchant. Il n'y a pas de problème, le blâme, je l'endosse. Je suis méchant, sans miséricorde, sans empathie, je suis un sociopathe connu et reconnu. C'est connu, hein, je me fiche complètement de l'être humain. J'ai aucun sentiment. Hein. Depuis petit, je brûle des chats et des insectes. Hein. Ça commence comme ça, la sociopathie. Quand on voit un enfant faire ça, faut consulter. Hein. C'est grave déjà. Barakallahu fikoum, bien sûr que non, je suis pas un sociopathe. Je m'inquiète justement de mes frères et sœurs. Donc, qu'Allah nous accorde plus de rahma, c'est sûr, plus de douceur. Mais je pense pas être parmi ceux qui en ont le moins. Ça, c'est une certitude à peu près. Hein. Donc, quand on leur dit ça, ils sont pas contents. Et après, quand ils dévient, ils s'étonnent. Ah, oh, j'ai vu une vidéo comme ça, quelqu'un il parlait d'islam, il a critiqué Cheikh El-Albani. En fait, c'est un ahbesh, un soufi. Il ressort de la vidéo, il a sa croyance. Du moins pendant un instant, moi. Puis il se remet en question. Puis il vient me poser des questions. Et voilà, et on oublie de rattraper le tir encore une fois. Pareil, tiens, j'ai rien à faire. Ah tiens, il critique l'islam, je vais cliquer, je vais regarder l'émission. Bah oui, c'est très intéressant. Il ressort de là. Ah, je crois que je suis plus vraiment musulman. Et voilà. Vous savez donc ce qu'il vous reste pas à faire. Non, pas à faire. Ne cliquez jamais, ne lisez jamais les propos des athées, des chrétiens, des juifs, des gens de l'innovation.
si vous voulez prendre une science liée à l'islam, c'est via les gens de confiance. Un étudiant de confiance, un livre de confiance, un savant de confiance, ce que vous voulez, mais quelque chose, une source fiable. Et là, vous mettez vos deux yeux, vos oreilles, votre cœur connecté à ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Mais aller un peu vagabonder comme ça partout, ici et là-bas, c'est vraiment très dangereux, mais plus que vous ne le pensez. Plus que vous ne le pensez. Il suffit parfois d'un propos parmi les propos des athées ou des sectaires, ça y est, la personne, elle part avec lui. Ah, on la retrouve plus, ça y est, elle est partie, il a embarqué. Pas rien faire. T'as beau après lui expliquer, il reste, non. Cheikh Albani, c'est un kafir. Ah, ok, Cheikh Albani, c'est un kafir, maintenant, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais on a mis en garde, on a prévenu. Les gens, ils veulent pas. Ils veulent pas écouter. Tu lui dis, mets ta ceinture, arrête de rouler à 200 en contresens. Non. Un jour, il prend un poids lourd et puis il fait un carambolage sur l'autoroute et puis voilà. On l'avait prévenu, c'est pareil. Non. Tout ça pour dire donc que le hadith, qui est oui rapporté par Tirmidhi, sûr, mais est qualifié de faible par Cheikh Al-Albani, on restera sur cette idée qu'il est faible. Donc on n'en tiendra pas compte. Tirmidhi aussi, il rapporte d'après le grand-père de Abdallah ibn Salam, la description de Mohammed est inscrite dans la Thawra. Eh oui, la description du prophète était déjà dans ce qui a été révélé à Moussa. Ainsi que le fait que Issa sera enterré avec lui. Naam. Et ceci donc est faible également. Rapporté, donc toujours qualifié de faible par Cheikh Al-Albani. Abi Daoud a dit, il reste dans l'appartement la place pour une tombe. Le Tirmidhi a dit, c'est un hadith Hassan. Il est Hassan. C'est ce qu'il a prétendu alors qu'Al-Bukhari a dit, c'est un hadith qui n'est pas authentique et ne doit pas être suivi. Encore une fois, divergence entre les LMA. Al-Tirmidhi l'a vu comme bon. Cheikh Al-Bukhari, lui, l'a vu comme daif, comme faible. Il a dit, ce n'est pas un hadith authentique, ne doit pas être suivi. Donc, on restera sur cette idée que yani, Issa ne sera pas enterré avec le prophète Issa al-Salam dans la maison. Wallahu ta'ala, a'lam. Na'am. Et pour revenir vraiment brièvement sur cette histoire de faible, de pas faible, de hadith de Cheikh Al-Albani, bien sûr les soufis ils en parlent comme ça, mais je m'étonnais vraiment comme ça d'avoir rencontré une personne qui se dit salafi, qui a eu des propos pareils. C'est vraiment l'ignorance. Il me dit, ah, Tirmidhi rapporte Cheikh Al-Albani, il dit faible. Comment ça, faible? Comment ça? Moi, je prends qui? Je prends de Cheikh Al-Albani ou je prends de... Je sais plus qui, il m'avait dit, Ibn Rajab ou je sais plus qui. Il me dit, il le rapporte comme ça. Alors moi j'en tiens compte. C'est un hadith notamment faible comme ça, complètement faible. Justement, des 1500 ans. La communauté Zerma, elle va vivre 1500 ans. Je vais vous le trouver, Inch'Allah. Juste pour la démonstration, juste pour le cours. Voilà. Hadith faible, 1500 ans. C'est un hadith qui est connu, il circule. Zerma, la communauté, elle va vivre 1500 ans maximum. Voilà. Donc c'est pour ça que la fin du monde, elle est très très proche, tu vois. Et il y a des gens qui se basent sur ce pseudo-hadith. Voilà. Ah. Donc un frère, en plus dit salafi, il me dit oui, mais il est Hassan, il est bon, voilà, il est rapporté par un tel, etc. Voilà. Ce hadith, il est bon, il est rapporté, donc voilà. Quand salafi, il s'agit de Cheikh Al-Albani, tu sais, il a démonté ce hadith. Et là, il s'est fâché. Il a commencé à critiquer un peu Cheikh Al-Albani à demi-mot, il s'est fâché, parce qu'il voulait vraiment croire à la fin du monde avant les 1500 ans de l'Égypte. Voilà. Alors, yani, la traduction de cette fatwa est une réfutation générale à tout individu de croyance erronée sur le sujet, spécifiquement de Harun Yahya. Qu'Allah le guide, vous le connaissez peut-être, c'est une personne voilà, qui utilise des textes, Harun Yahya, à ne surtout pas écouter, soi-disant il amène les gens à l'islam, mais en fait il utilise les textes qui vont suivre pour corrompre la croyance d'une partie de la Ummah, mettre les gens dans un état de panique. 1500 ans, on a 1440, donc c'est pour très très bientôt, voilà. Et qui résulte chez certaines personnes de très néfastes conséquences. Il y a des gens qui ont des grosses névroses à cause de ça. Hein. Par miséricorde pour les gens, Allah nous a dissimulé le moment exact de l'heure. Ça, déjà, c'est une chose claire. L'heure n'est pas connue même du messager d'Allah, Issalat wa salam. Allah Ta'ala nous a caché l'heure. Et Zerma, il y a un hadith qui nous dit que la communauté va vivre que 1500 ans. Ah, on a une date précise alors. Ça n'aurait plus aucun sens. Hein. Ça contredirait le Coran. Non. Par miséricorde, Allah nous a dissimulé le moment exact de cette heure. Et vous vous rendrez compte au fil des semaines, mois et années à venir, divers comportements extrêmement inquiétants dus au fait de prétendre savoir quand l'heure arrivera. Quand vous verrez le niveau de folie que cela occasionne, vous comprendrez pourquoi Allah a dissimulé le moment où l'heure arrivera et pourquoi cela est une miséricorde. Non. Donc, les textes ici, pseudo-hadiths qui vont être cités,
pourrait impressionner hein, les lecteurs non avertis, ben, comme le frère là, qui me l'avait rapporté. Mais regarde, Ahmed, il dit que... Non, doucement, doucement. Ça peut impressionner les lecteurs non avertis à cause justement des grands noms, des grands figures de l'islam qui en sont les auteurs. Et puis donc les accepter pour croyance et les propager. Il y a des gens, voilà, dont le frère là, dit Salafi, il l'avait pris pour croyance, ça, et il voulait propager. Je lui dis, non, écoute, Ahri, des savants peuvent se tromper, aucun d'entre eux n'est infaillible, il a été vérifié par Sheikh Albani, c'est faible, voire même forgé. Il voulait rien entendre. C'est la passion. Hein, c'est la passion. Le texte en question, l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, a dit, et aussi l'imam As-Suyuti a dit, que le prophète Aïssalam a dit, la durée de vie de ma communauté ne s'étendra pas plus que 1500 ans. Et l'imam As-Suyuti a dit aussi, d'après ce que les traditions révèlent, l'âge de cette communauté s'étendra au-delà de 1000 ans, mais aussi, cela ne sera pas augmenté de plus de 500 années. Donc, on n'ira pas au-dessus de 1500 ans. Également, Ibn Hajar, et c'est celui-là, voilà, dans Fath al-Bari, c'est un livre qui est connu d'Ibn Hajar, j'ai confondu, c'était pas Ibn Rajab, mais Ibn Hajar, il me dit, Ibn Hajar, il a dit, comment ça, tu peux contredire, hein, Ibn Hajar, celui donc, on fait son œuvre, Burhan al-Mahram, il a dit, il a commenté cela en ces termes, il est évident que la durée de la nation islamique sera plus de 1000 ans, car l'ère de la communauté juive est équivalente à l'ère chrétienne et musulmane réunie, et les gens de la transmission sont d'accord pour dire que la période juive a duré plus de 2000 ans, jusqu'à l'avènement de la prophétie de Mohammed, par Allah. Et le temps écoulé de la période des chrétiens est de 600 ans, qui sont inclus dans ces 2000 années. Et ce hadith souligne à quel point le temps qu'il reste à ce bas monde est court. Encore une fois, il vient donner une date. Ibn Hajar, ou ce que vous voulez, Imam Ahmed. Mais ça, c'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Non. Je retrouve la suite. Non. Donc, ces paroles sont fausses et le hadith est faible. Non. Je retrouve la fin. Puisque maintenant on est lancé, autant terminer l'explication sur cela pour ceux que ça intéresse. Voilà, on en était là. Et voici donc la réfutation. J'ai entendu dire que certains savants ont dit que le jour de la résurrection arriverait avant l'année 1500 de l'Hégire. Donc en toute logique, là, 1440, elle est à peu près en 2018, vous rajoutez 60. 2078, c'est la fin du monde. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes dans l'Alam qui pourront la vivre. A priori. J'ai entendu dire que certains savants ont dit que le jour de la résurrection arriverait avant l'année 1500, avant 1500, c'est-à-dire que ça peut être demain. C'est pour ça que les gens s'affolent en fait. Ils disent c'est avant 2078, ça peut être en 2020. Hein? Et ils ont cité le hadith du prophète Aïssalat wassalam pour le prouver. Est-ce que ces paroles sont authentiques? Non. Est-ce que ces paroles sont authentiques? Ce qu'on rapporte à ce sujet. Alors. Louange à Allah, l'avis mentionné dans la question a été proposé par Al-Suyuti dans son livre Al-Hawi, dans lequel il dit que ce monde perdurera 7000 ans et que le prophète Aïssalam est envoyé à la fin du 6e millénaire. La fin du 6e millénaire ici signifie la moitié de celui-ci. Basé sur cela, la durée de vie de cette Umma est donc de plus de 1000 ans et de moins de 1500 ans. D'accord, c'est ce qu'il a rapporté. Il a dit la période ne peut pas dépasser les 1500 ans, c'est-à-dire la période doit être inférieure à 1500 ans. Alors il est mentionné des hadiths et des hathars qu'il a cités comme preuve pour le soutenir. Donc quelques-uns sont israélites, c'est-à-dire des paroles des gens du livre, déjà, qui ne peuvent donc pas être pris en compte. On l'a vu dans les récits prophétiques authentiques, bah, on y est justement aujourd'hui, Naam, qu'on ne peut pas se baser sur ces choses-là. On ne peut pas nous se baser sur les récits des gens du livre comme preuve dans notre din. Et pour le reste, c'est da'if, ou da'if jidden, voire même des savants ont jugé qu'ils étaient mensongers et inventés, ce qu'on appelle maudou'. Donc on a du da'if, on a des récits des gens du livre, on a du da'if, on a du da'if jidden, et on a du maudou. Imaginez, il n'y a rien d'authentique. Et parmi ce qui prouve que ces paroles sont fausses, si ces paroles étaient correctes, alors tout le monde saurait quand l'heure commencerait. Cela va à l'encontre de ce qui est mentionné dans les versets du Coran et les hadiths authentiques, qui déclarent clairement que l'heure n'est connue de personne excepté d'Allah Azzawajal. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, Naam, les gens t'interrogeront au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, a dit, ici le Très-Haut dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a aucune connaissance de l'heure,
Et que si les gens l'interrogent à son sujet, il devrait les renvoyer vers Allah Azzawajal. Naam. Al-Shanqiti a dit, rahmatullah alayhi, il est connu que innama apporte la signification d'exclusivité. Innama, c'est l'exclusivité. La signification du verset est que l'heure n'est connue que d'Allah seul. Innama. Naam. Et Allah Azzawajal dit aussi dans le sens, il t'interroge au sujet de l'heure, quand va-t-elle jeter l'encre? Quelle science en as-tu pour leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur, innama. Naam. Et tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Naam. Tu avertis, naam, qu'une heure arrive. Mais c'est tout. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, a dit, c'est-à-dire que sa connaissance n'a pas été donnée, ni à quelqu'un dans la création, ni au prophète, alayhi salam. Plutôt, elle est connue que d'Allah, et lui seul sait exactement quand elle arrivera. Al-Sa'di a dit, parce que la connaissance de l'heure ne sert à aucun intérêt religieux ou mondain aux gens. C'est vrai que ça sert à rien en soi. Plutôt leur intérêt est dans le fait de la dissimuler. La connaissance de celle-ci a été dissimulée pour toute la création et Allah Ta'ala a gardé cette connaissance pour lui seul. Et il est dit aussi, son terme n'est connu que de ton Seigneur, innama. Et parmi les hadiths qui prouvent que l'heure n'est connue que d'Allah, le célèbre hadith de Jibril, dans lequel le prophète Aïssalat ou Salam a répondu à Jibril, Aïssalam, quand il l'a questionné sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Vous savez, il vient, il enseigne la religion, il lui demande, et l'heure? Et il a dit, celui qui est interrogé sur celle-ci n'en sait pas plus que celui qui interroge. Rapporté par Muslim. Donc ces athars sur lesquels Al-Suyuti, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'appuie, ont été rendus daïf par les gens de science, notamment par Sheikh Al-Albani. Et ils ont jugé qu'ils étaient mensongers même. Ibn Qayyim a dit dans Al-Mana' Al-Munif, il mentionne les façons par lesquelles on peut savoir qu'un hadith est maoudou, inventé. Au-delà du faible, inventé. Une des façons de voir cela, c'est si le hadith va à l'encontre de la signification claire du Coran et des hadiths authentiques. Retenez cette règle, mes frères et sœurs. Quand un hadith vous est amené et vous trouvez cela étrange, c'est-à-dire c'est étrange, mais c'est faible ou c'est peut-être même inventé, comment tu peux avoir, bien sûr tu n'es pas là toi à faire le muhadith et à trancher, mais t'en écarter, ou en tout cas ne pas le prendre, comme on dit, pour argent comptant, ne pas le prendre comme croyance. Ne pas te baser dessus, n'arme. Il n'y a pas de source. Des fois, les gens envoient des hadiths comme ça, il n'y a même pas de source, n'arme. Comment savoir? Tu regardes si ça contredit le Coran, ce hadith-là, est-ce qu'il contredit le Coran et les hadiths authentiques? Si c'est le cas, c'est inventé. Un hadith ne peut pas venir, c'est très faible ou inventé, en vérité. Hein, très faible ou inventé. C'est quoi la différence entre très faible et inventé? Inventé, c'est forgé, carrément, de toute pièce. C'est-à-dire que personne n'a dit ça, c'est quelqu'un qui l'a inventé, n'arme, et il rendra ses comptes. Faible, c'est qu'il y a des problèmes dans la chaîne de transmission. Des gens le rapportent, ils sont de confiance pour certains, mais d'autres moins, et il y a eu des trous, des manquements, etc. dans la chaîne de narration. Donc, tu connais les versets du Coran, d'où l'importance de les connaître. Tu connais les hadiths authentiques, d'où l'importance de les connaître. Et vient une information qui vient contredire cela. C'est pas possible. Tu te dis tout simplement, ce n'est pas possible. Cette règle-là, je dis, mes frères et sœurs, elle s'applique également aux paroles des ulama. Tu entends quelqu'un qui te dit, Ibn Taymiyyah dit que... Sheikh Fawzan dit que les takfiris font cela. Même des soufis le font. Même des haddadi. C'est-à-dire que les soufis, les haddadi, les takfiris, les ikhwan, ce que vous voulez, les sectaires, viendront vous voir et vous diront, on l'a vu là, hein, Allah dit, son messager a dit. Attends, c'est peut-être faible ou c'est peut-être inventé, cette chose-là. Non, parce que ça contredit tout ce que je connais du Coran et de la Sunna. Ça, c'est une marque de science. Alhamdulillah. Également, Ibn Taymiyyah dit que, Sheikh Fawzan dit que, tu te dis, mais ça contredit tout ce que dit Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah et Sheikh Fawzan d'habitude. C'est bizarre. C'est probablement faux. C'est probablement tronqué. Ou c'est probablement détourné ou coupé. Parfois même, ils coupent. Ils prennent une phrase d'Ibn Taymiyyah et ils prennent que le milieu. Mais l'avant et l'après, ils prennent pas. Sheikh Raslan, c'est pareil. Ils prennent une de ses vidéos, ils prennent le milieu. Pas le début, pas la fin. Ça, c'est pas honnête. Ce qui s'appelle couper, tronquer les propos des savants. En fait, tronquer, le troncage, c'est prendre une partie véridique d'une chose, bien sûr, tu la déposes, mais ça change le sens parce que tu n'en as pas pris, t'as pris connaissance de l'entièreté de la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le troncage, normalement. Ils le font envers les versets, les hadiths, les paroles des ulama. Cette règle-là, elle va te protéger. Tu vas être dans une citadelle imprenable. Ce que tu connais du Coran, la Sunna, des paroles, des compagnons et des savants après eux, c'est ta base. On t'amène quelque chose qui contredit complètement cela. La sonnette d'alarme, elle s'allume. C'est pas normal. Il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire. Vous comprenez cette règle? Vraiment, ça, il faut que vous marchiez avec ça. Ainsi, vous serez pas intouchable aux ambiguïtés, mais alhamdulillah, préservé. Donc, une des façons, dit Ibn Qayyim, c'est si le hadith va à l'encontre de la signification claire du Coran et des hadiths authentiques.
comme le hadith qui dit que ce monde va perdurer 7000 ans et que nous sommes maintenant dans le 7e millénaire. Hein ? C'est un des plus évidents mensonges, parce que si cela était correct, alors tout le monde saurait qu'il ne resterait que 251 ans avant la résurrection. Et Allah Ta'ala dit, donc dans le sens, surat al-A'raf, il t'interroge sur l'heure, mais quand arrivera-t-elle ? Dit, seul mon Seigneur en a connaissance, lui seul la manifesta en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre, elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu étais averti, mais dit, seul Allah en a connaissance. Donc ça contredit le Coran, ces histoires de 1500 ans, de 7000 ans, de calcul. C'est des gens qui fantasment, frères et sœurs. Et des gens qui fantasment, ce sont des menteurs, des égarés, des soufis pour la plupart. Qui vont prendre des propos de gens de science qui se sont trompés, voilà, et viennent contredire comme ça le Coran, viennent déranger la quiétude des musulmans. Ne vous faites pas tromper d'âme. Et Ibn Kathir aussi, il dit, il n'y a aucun bon hadith, même bon, rien d'authentique, rien de bon dans les hadiths, dans lequel le prophète Aïssalat définit l'heure, quand est-ce qu'elle arriverait. Il a plutôt mentionné certains de ses signes, précurseurs et des présages. Et il dit aussi, Rahmatullah alayhi, est-ce qu'il y a dans les livres des gens de Bani Israël, hein, les Israélines, les gens du livre, qui disent que ce monde durera un certain nombre de millénaires, c'est-à-dire de manière précise, plus d'un savant a déclaré que ce sont des erreurs. Et cela n'est pas surprenant qu'ils étaient dans l'erreur, puisque ce sont des gens du faux. Il y a un hadith qui dit, ce monde est une des semaines de l'au-delà. Mais pareil, son isnad n'est pas sahih. Il en va de même pour chaque hadith qui expose une heure ou un temps spécifique pour l'arrivée du jour de la résurrection. Aucun de leur isnad n'est sûr. Aucun de leur isnad n'est sûr. Non. El-Sahraoui a dit, tout ce qui a été rapporté décrivant un temps spécifique pour Yom al-Qiyamah n'a aucune base. Et il n'y a pas de certitude sur l'isnad. Troisièmement, ce qu'Al-Suyuti, Rahmallah, a dit, lui-même prouve que cet avis est faux. Prouve que cet avis est faux. Non. Car il mentionne que le Mahdi n'apparaîtra, d'accord, qu'après 1200 ans. Mais 1400 ans sont déjà passés et le Mahdi n'est pas encore apparu. Donc son avis, il est bâti, on le voit. Il dit aussi que les gens resteront pendant 120 ans après que le soleil se lèvera de l'ouest, puis l'heure arrivera. Cela signifie donc que le soleil devrait s'être levé de l'ouest depuis plus de 20 ans. Et il dit que le Dajjal apparaîtra après 1200 ans, d'accord, et que le Messie Isa ibn Maryam, alayhissalam, descendra et le tuera, ok. Et il y restera après cela 40 ans, d'accord. Mais nous voilà au dernier siècle. Nous voilà au dernier siècle, selon ce qu'il dit. Et le Dajjal n'est toujours pas apparu, et encore moins le Messie. Il n'est pas descendu. Il dit aussi, hein, et vous voyez qu'il s'est trompé, mais c'est pas un manque de respect à prendre vers les gens de science, hein. Les gens de science, même parmi les gens de la Sunna, parmi les savants de la Sunna, il y en a qui ont lu du soufisme et des gens qui ont une croyance acharia, etc. On l'a déjà dit. C'est pas pour autant qu'on va dire c'est des soufis, c'est des acharia, non. C'est des gens de la Sunna, des grands savants de la Sunna qui ont fait les formes et qui ont eu des déviances par moment. Non, même Ibn Qayyim, il a eu des moments comme ça, c'est rapporté. Il y a un livre d'Ibn Qayyim qui n'est absolument pas à lire. D'ailleurs, est-ce qu'il est même de lui? Il y a des doutes des gens de science à ce sujet. Ruh, l'âme. L'âme d'Ibn Qayyim, c'est plein de soufisme, ce livre-là. Est-ce que c'est vraiment attribué à Ibn Qayyim ou Allahu A'lam, quand bien même il l'aurait écrit avant son retour à la Sunna? Donc ça, c'est connu chez les ulama de la Sunna, c'est connu chez les gens de science, là, ici, que dans les grands anciens, des plus anciens ou moins anciens, il y a eu des gens qui ont eu des shubhat, qui ont eu des déviations, qui ont eu des moments d'égarement, qui sont revenus, etc., etc., etc. Et qui ont vu juste, mais qui se sont aussi trompés. Hein? C'est pas parce qu'on va citer des grands savants de la Sunna, on va dire, mais tu sais, Ibn Hajar, il a dit, même l'imam Ahmed, il a dit. On l'a vu dans ça. Pas de suivi aveugle. Nous, on suit la preuve. On suit ce qui est authentique. On suit ce qui va dans le sens des hadiths authentiques et du Coran. C'est ça, notre religion. Mon madhab, c'est le madhab de la Sunna. Mon manhaj, il se veut salafi parce que je suis la preuve. Il n'y a pas d'attachement à un imam, même parmi les quatre écoles. Il n'y a pas d'attachement à un savant quelconque. Ni Ahmed, ni As-Suyuti, ni Ibn Hajar, ni Nawawi, ni Shanqiti, ni Sheikh Al-Albani même. Simplement, on regarde ce qui est étudié. On regarde ce qui est étudié. Ce qui va dans le sens du correct, de l'acceptable et du sahih. Non, on ne s'attache pas à un homme. On ne s'attache jamais à un homme parce qu'on peut le voir ici. Les hommes se trompent. Non. Il a dit aussi que plusieurs signes majeurs, tels que le Dajjal, la descente de Isa et le lever du soleil de l'Ouest, arriveront plus de 200 ans avant que l'heure ne commence.
Très bien. Et tout ceci prouve la fausseté de cet avis. Et que la réponse à la connaissance de l'heure doit être retournée à Allah. Parce que depuis le temps que Souyiti, la fin du monde, elle aurait déjà eu lieu depuis longtemps. Donc on voit là que c'est faux en vérité. On voit que c'est complètement faux ces calculs. Et ils vont dire des choses comme ça. Et d'autres aussi, encore, continuent à le dire. C'est des gens du calcul. Mais les gens du calcul se trompent. Se trompent. Les gens t'interrogeront au sujet de l'heure, dit sa connaissance est exclusive à Allah. Quand sais-tu, il se peut que l'heure soit proche, comme on l'a déjà dit. Naam. Voilà donc pour les informations que je pouvais vous communiquer à ce sujet. Pour vous dire tout ça, pour vous dire, naam. On en était. Naam, à la fin, voilà. Oui, le hadith. Oui, voilà. Il est qualifié de faible par Cheikh Albani. Je me suis rappelé de ce frère salafi qui s'entêtait. Il disait non, il y a un hadith. Et c'était celui-là qui parle de 1500 ans de la communauté. Moi, ça me fait réfléchir. Ça va sûrement arriver. Ahmad Idi, Ibn Hajar Idi, c'est quand même des gens voilà, de science. C'est quand même pas rien, etc. Il y a Akhi. Dans Kitab Wasuna, ça prouve que c'est faux. Et Cheikh Albani, il a fait un effort, etc. Il rend ça faible, etc. Il voulait rien savoir. Il a dit non, moi, je reste sur les noms des grands savants. D'où l'introduction, on disait, ne soyez pas émerveillés par les noms qui vont être cités. Ils peuvent avoir juste, mais ils peuvent aussi avoir tort. Voilà. Donc cette notion-là, Naam, elle était importante à transmettre. C'est très important de transmettre ce genre de choses, des gens qui ignorent, notamment dans le hadith, beaucoup de choses que les gens ignorent, notamment dans le hadith. Et puis, comme on était là sur les signes de la fin des temps, aussi cette légende qui a été, walhamdoulilah, maintenant réfutée. Je ferai en sorte de couper cette fin de cours et d'en faire un audio. Je pense que ce sera bénéfique et que les gens doivent apprendre à ce sujet. Je ne sais pas comment je pourrais nommer ça, le hadith des 1500 ans où la fin du monde arrivera en 1500 de l'égir. Voilà, la fin du monde en 1500 de l'égir, c'est un bon titre ça. Voilà, la fin du monde en 1500 de l'égir, point d'interrogation. Non, je pense que les gens vont se précipiter de cliquer. Et voilà, et ce n'est pas comme ça comme on l'a vu. Voilà ce que je pouvais vous donner pour aujourd'hui, pour ce soir. Naam. On a terminé le chapitre là sur la descente de Issa. Le prochain, ce sera la communauté d'Issa après son élévation. Qu'est-ce qui est devenu sa communauté après qu'il a été élevé aux cieux ? Naam. Et ce sera le dernier cours. Ce sera le dernier cours sur ce point-là, parce qu'après, il y a les divergences des compagnons du Messie, et il y a la construction de Beit Lahm et de l'église El Qumama, et ce sera terminé. On aura terminé l'histoire de Issa. Voilà. Donc on en refera encore un cours la fois prochaine, Inch'Allah ou Ta'ala, et on aura fini l'histoire de Issa et Mariam. Après, pour l'authentique des récits des prophètes, on en parlera à ce moment-là au cours prochain, à savoir quel prophète voulait qu'on fasse. Younous, Youssouf, Ayyub, Allahu A'lam, on verra quel prophète, vers quel prophète, quelle histoire de prophète on se tourne. Voilà. والله أعلم أحكام سبحان لك هم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم est-ce que vous avez des questions إن شاء الله تعالى نعم Lévi, qu'est-ce que tu as fait avec ta webcam, mon frère ? Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai plusieurs questions, Inch'Allah. Est-ce que la règle des quatre interdictions concernant les noms d'Allah et le Ghaib est aussi applicable au Dajjal ? La non-représentation, tout ça. On ne va pas le représenter, et on a des descriptions
on a des descriptions, mais le Dajjal ne fait pas partie du Ghaib. Mais yani, on a juste une simple description. On sait qu'il est mort, mais on va le voir dans ce bas monde. Il va être vu. Voilà. Je pense que c'est par rapport à l'intervention de la fois passée avec le paradis, etc. Ah non, les noms d'Allah et le Ghaib. De quoi tu me parles? Tu vas mélanger deux choses. Le Ghaib et les noms d'Allah. Les noms d'Allah, il y a des interdictions. Sur le Ghaib, il y a des interdictions. Le Ghaib, c'est la non-représentation. On ne peut pas savoir ce que c'est. Voilà. Les noms d'Allah Azzawajal, c'est de demander le comment, etc., etc. Là, tu as mélangé deux choses. Donc, il y a une règle d'interdiction concernant les noms d'Allah et une règle concernant le Ghaib. Déjà, pourquoi mêler les noms d'Allah Azzawajal ou plutôt les attributs d'Allah? Parce que c'est pas les noms, mais c'est plutôt les attributs aussi. Tu t'es trompé. Pourquoi mêler les noms d'Allah Azzawajal avec le Dajjal? Naam, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas la règle des quatre interdits sur le on ne demande pas le comment, on ne fait pas d'anthropomorphiste, etc. C'est lié au nom d'Allah Azzawajal. Aux attributs d'Allah Azzawajal. Naam. Ni on les renie, ni on les interprète, ni on les fait ressembler, ni on demande le comment, le takif. Naam. Ça, c'est lié aux attributs d'Allah Ta'ala. Pourquoi mélanger ça au Dajjal? A'udhu billah. Laisse la règle des quatre interdictions aux attributs d'Allah Azzawajal et ne la déplace pas ailleurs. Après, le Ghaib. L'invisible. Naam. On a vu le paradis, l'enfer, on ne représente pas les anges, etc. Ensuite, on a une description de ça, du paradis de l'enfer, et on se tient à cette description-là, et puis c'est tout. Comme pour les anges. On a des descriptions, on a des choses, on s'en tient à ça. Pour Masih ad-Dajjal, c'est différent. On a des descriptions, mais on va le voir. Donc on a une description d'une chose qui pour l'instant nous est inconnue, mais qui ne fait pas partie du Ghaib dans l'absolu, puisqu'on va, on va le voir. Maintenant, on ne fait pas de représentation non plus, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est exactement. Mais on imagine, bon, on imagine comme ci et comme ça. Mais il n'y a aucun intérêt de le représenter, personne ne peut représenter le Dajjal correctement. Et il verra. Et il verra au moment où il sera là. Naam. Voilà. Et fais attention, là, je te dis, pour le car que tu as fait là, d'insérer la règle qui concerne les attributs d'Allah Azzawajal avec une règle liée à la créature. Quel est le rapport? On va pas dire le Dajjal, rien ne lui ressemble, il est yani, on ne demande pas le comment. Ça, c'est vraiment lié aux attributs d'Allah Azzawajal, hein, Noura. C'est pas pour les créatures. Hein. Naam. Pourquoi est-ce que les femmes. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui succomberont le plus au Dajjal? Cela est-il lié au hadith indiquant dans le sens que la majorité des gens en enfer seront des femmes? Naam, la majorité des gens en enfer seront des femmes, par rapport notamment à la langue, par rapport au fait qu'elle renie les bienfaits du mari. Ça, c'est quelque chose. Mes sœurs, en fait, vous vous rendez pas compte, en fait. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ferai encore une nasiha. Après, vous en faites ce que vous voulez, comme on dit. C'est pas un acharnement. Je le dis pour plaire à Allah, c'est quelque chose vraiment qui m'étonne. Vous respectez des voisins, ok? Vous respectez des gens dans la rue, vous respectez le facteur. Voilà, vous respectez un banquier. Mais parfois, vous avez tellement peu de considération envers vos maris. C'est une catastrophe. En fait, vous... Voilà, c'est quelque chose, moi, ça me... Après, bien sûr, il a éprouvé le mari à travers vous, etc. C'est sûr. J'entends des choses parfois. J'ai entendu des choses, ça me sidère, en fait. C'est une catastrophe. Je vais pas ici refaire une grande exhortation à ce sujet. J'ai déjà fait un audio... conseil aux femmes mariées. Et très sincèrement, c'est lié donc au hadith. Le hadith qui est lié au Dajjal, on va le définir. Le hadith général des femmes en enfer, on va le définir. Elles parlent déjà, elles médisent beaucoup, elles calomnient beaucoup. Les femmes, elles sont passionnées, voilà. Et elles renient énormément leur époux. Renier, c'est pas yannier, elles s'en vont de la maison. Hein. Elles parlent très mal, elles sont ingrates. La majeure partie des femmes sont ingrates, à part celles à qui Allah fait miséricorde. Elles méprisent le mari, elles parlent mal au mari, elles font des soucis au mari, elles ne reconnaissent pas les bienfaits du mari. C'est une catastrophe. Mais en fait, ça, vous prenez ça comme un petit péché, en fait. Mais c'est une calamité, en fait. Ça peut vous propulser en enfer. Mais non, les femmes, elles ont la belle vie, elles sont contentes. Tant que moi, j'étudie le Coran, tant que moi, je fais ma prière à l'heure, ça va. Ton mari, il n'est pas satisfait de toi et tu dors tranquille. Miskina. Sincèrement, miskina, je dirais une femme comme ça. Il n'y a pas d'ilm chez une femme comme ça. Oui, mais moi j'apprends le Coran, oui, mais moi j'apprends le Hadith, mais moi j'ai du ilm, mais moi je me voile. Bah t'as pas d'ilm. T'as pas d'ilm parce que t'obéis même pas à ton mari. Et tu satisfais même pas ton mari. Elle est où ta science? Elle te sert à quoi d'apprendre le Coran? Arrête d'apprendre le Coran, va satisfaire ton mari. Wallah l'anim, j'ai juré. Je jure pas pour rien, par le Seigneur de la Kaaba. Arrête d'apprendre le Coran, ça te sert à rien toi. Va satisfaire ton mari. C'est plus utile pour toi. C'est rapporté, ton mari c'est ton paradis ou ton enfer.
Si la femme jeûne, on le sait, elle prie, elle jeûne et elle rend satisfait le mari, elle rentre au paradis par la porte qu'elle souhaite. Les femmes ne tiennent pas compte de ça. Je le répète, mes frères, mes sœurs, mes frères et sœurs. Les femmes, elles parlent correctement aux voisins, le grand sourire, le... Voilà, parfois même à des hommes étrangers, elles se comportent bien, elles parlent bien, elles sont à la limite de la complaisance parfois. Mais pas toutes, hein. Pas toutes, hein. Il y a des sœurs aussi qui sont pudiques. Elles parlent bien à lui, à lui, à lui, à elle, etc. Tous les gens, sauf le mari. Lui, par contre, il va se prendre tous ses méfaits. Pourquoi ? J'ai jamais compris ça. C'est une épreuve pour l'époux, il n'y a pas de problème. On l'accepte venant d'Allah Ta'ala. J'ai jamais compris, toi, avec ton libre arbitre, ma sœur, comment tu peux fonctionner ainsi. Ta professeure d'arabe, de Coran, tu lui parles bien. Ton ami, ta sœur, tu lui fais des... parfois même des... C'est trop. Vous, entre sœurs, parfois c'est trop, la manière dont vous parlez. Urti fillah, salamu alayki wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma sœur, ma chérie. C'est nécessaire, ça ? Le mari, il rentre même pas un regard. Qu'Allah vous guide. Celles qui sont comme ça, vraiment qu'Allah vous guide. Et si vous n'êtes pas touché par ça, bah qu'Allah vous... Naam, qu'Allah vous fasse miséricorde comme il vous a déjà fait miséricorde. Parce que vous êtes vraiment à part, mes sœurs. Celles qui sont comme ça, vous êtes vraiment à part. La majorité des femmes, avec les amis, elles se comportent bien, mleh. Avec les gens, mleh. Le mari, c'est tout... On avait l'impression que tout... Toute la négativité, tous les mauvais côtés de la femme, elle s'est réservée au mari. Quelle ignorance. Même si elle voile, même si elle arabe, même si elle court, elle, quelle ignorance. Quelle ignorance, je dis. Ça sert à rien d'étudier l'arabe, le Coran, le hadith, ce que tu veux, si tu sais même pas respecter ton mari. Tu donnes le haq à des gens, le voisin, le facteur, le plombier, l'électricien, ta sœur Filla, ta mère, mais ton mari, tu le négliges. Et tu dis que t'as compris la salafia, t'as rien compris par Allah Azza wa Jalla. T'as rien compris. Donc, pour te répondre, oui, aussi, le hadith lié, voilà, les femmes en enfer, aussi par rapport à ça, parce qu'elles se détournent complètement. Il y a beaucoup de hadiths qui disent ça. Allah ne regarde pas une femme qui ne reconnaît pas les bienfaits de son mari alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Personne n'est parfait, il n'y a aucun mari parfait. Voilà. Mais l'homme fait ce qu'il peut, il met la femme dans une certaine situation, un certain confort, et elle lui tourne la tête, elle lui tourne le dos. Elle se comporte très mal avec lui. Et puis après ça, elle espère du rire, elle espère être bien, elle s'estime être bien guidée. Voilà, elle... Non, ignorance pure totale. Parce qu'elle n'a pas donné, yani, la juste mesure, le juste droit à son homme. En fait, elle connaît pas la valeur de l'homme. Il y a deux types de femmes. Celle qui connaît la valeur d'un homme, dans la religion, je parle. Et même s'il n'est pas parfait, hein, c'est pas une question de ça. Il est gentil, il est beau, il est pas beau. C'est pas la question. Connais la valeur d'un homme que t'as épousé, point. C'est ton mari. À partir de là, tu lui dois un grand respect. En fait, c'est un gouverneur. On est obligé de réexpliquer, on est obligé de refaire une nasiha aujourd'hui parce que je pense que ça va s'avérer nécessaire, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est un gouverneur, cet homme-là. Tu l'aimes bien, tu l'aimes pas, ça c'est autre chose. Il est beau, il est moche, il est gentil, un peu moins gentil, il est généreux, un peu moins avare. C'est pas le problème. C'est un gouverneur. Tu l'as épousé. À partir de là, le prophète Rasoul-Sem, il a dit. S'il avait été permis à une créature de se prosterner devant une autre, si, il a bien dit, eh ben j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Subhanallah. Pourquoi il dit ça, Issalat wa Salam ? Simplement pour faire tilter à la femme, en fait. Pour lui faire comprendre que le rang du mari, il est haroïm. Et qu'il est plus haut que celui de sa mère une fois qu'elle est mariée. Plus haut que celui de son père une fois qu'elle est mariée. Comment une femme parle à sa mère, à son père ? Très bien. J'espère, en tout cas. J'espère. Et son mari, elle récolte quoi ? Les fruits pourris ? Regardez comment certaines sœurs s'adressent au mari et comment s'adressent à leur mère, à leur père. Catastrophe. Elle n'a rien compris, celle-là. Le rang du mari, il est au-dessus de celui de la mère. Mais non, non, non. Non, le mari, il n'a rien. Il n'aura que les restes, les fruits pourris. Qu'Allah pardonne et guide celles qui sont comme ça, je dis. Voilà. Si il avait été permis à une créature de se prosterner, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. C'est simplement pour signifier l'importance du rang. C'est un gouverneur. Comment on s'adresse à un gouverneur ? Méditez. Je vous le dis, elle parle mieux. La plupart des femmes, elles parlent mieux comme ça. Au poubelier, là, comme ça. Il vient ramasser les ordures dehors. Elle lui passe le salam, peut-être. Non. Quelqu'un, il sonne, il dit oui, bonjour, je vais réparer la chaudière. Elle est très polie. Son mari rentre, elle lui met même pas un mot, même pas un sourire, ni rien du tout, ni d'affection. Subhanallah. Subhanallah. Donc, il y a beaucoup de femmes en enfer. La majorité de l'enfer seront, des gens de l'enfer seront des femmes. Encore une fois, mes sœurs, qu'Allah vous préserve dans tel comportement et vous facilite à être de bonnes épouses. Bonne épouse, c'est pas forcément en faire des tonnes et des tonnes et des caisses et des caisses et des caisses. Simplement, essayer, tu viens dire, essayer d'avoir un noble comportement, un bon comportement et de donner. C'est pas des courbettes qu'un homme y réclamera. Je parle au nom des hommes, hein, je pense qu'on sera tous sur cette même ligne-là.
c'est pas des courbettes, de l'exagération. Non, on ne demande pas de roulou, simplement du respect. Un peu de respect, la loyauté, de la bonne humeur, de la douceur, c'est tout ce qu'un homme pourrait réclamer aujourd'hui. Voilà. Elle est parfaite ou quoi que ce soit. Et les sœurs, elles vont mettre le paquet sur la prière, la lecture du Coran, l'arabe. Elles vont complètement délaisser le respect au mari. C'est quelle science, ça? C'est mieux une sœur qui a moins de Coran, moins d'arabe, voire même pas l'arabe, elle parle pas arabe, je dis. Elle lit deux sourates du Coran. Elle fait ses efforts comme elle peut, naam, mais elle respecte son mari. Celle-là, elle est plus haute en religion que la première, naam. Il faut revoir ses priorités, voir son ordre d'études, naam, et son ordre d'implication dans la science. C'est comme Tawhid Awalen, on dit Tawhid Awalen. J'ai envie de dire pour une femme, Tawhid Awalen, bien sûr. Mais une fois que tu as jeûné et que tu as prié, c'est ton mari. Voilà. Et beaucoup de sœurs se fourvoient dans différentes choses, voilà, bonnes ou moins bonnes, même parfois c'est des passe-temps, c'est des passions, la couture, elles regardent la télé, je sais pas ce qu'elles font, et le mari, ça passe après. Alors, que dire quand c'est des choses qui sont soit mondaines, soit même haram. Il y en a, elles se consacrent au haram, elles délaissent le mari, il y en a, elles se consacrent au mondain, elles délaissent le mari, il y en a, elles pensent bien faire, elles se consacrent les hymnes, les armes aux adorations, à l'ibadat, mais elles délaissent le mari, alors que ça passe avant. Donc, Allah, vous êtes. Non. Wallahu ta'ala a'lam. Et enfin, dernière question. Que signifie le terme isnad? C'est la chaîne de narration. Quand on dit l'isnad, il est interrompu, ou l'isnad, il n'est pas correct. C'est la chaîne de narration, de transmission. Non, un isnad, c'est ça. Question de Lévi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La SVT et la physique chimie sont des sciences de kufr dans le cas général ou juste des cas particuliers? C'est-à-dire, science et vie de la Terre, hein, SVT. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce terme-là, subhanallah. La dernière fois, c'était peut-être en troisième. On en fait encore de la SVT en troisième. Je sais plus. J'avais quel âge? J'avais 14 ans. Et ce mot-là, c'est vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Science et vie de la Terre, SVT. Et physique, chimie. Ce sont des sciences de couf. Non, c'est pas du couf dans le cas général, c'est dans certains cas particuliers. Voilà, si en SVT, on commence à te dire que Dame Nature a créé ceci, cela, en physique-chimie, j'en ai jamais fait de la physique-chimie, je peux pas te dire. Ou si, peut-être un an, mais vraiment, c'est tellement lointain que je ne sais plus. Physique-chimie. Si, la physique, on en a tous fait, je crois qu'on est obligé. Hein. Ah, ben, c'est pour vous dire que l'école m'a beaucoup servi, parce qu'à part compter, lire, écrire, j'ai rien retenu de l'école. Moi. Tout ce que j'ai appris, c'est en dehors. Non, je suis pas un grand adepte du système scolaire, comme vous le savez déjà. Quoi qu'aujourd'hui, vous savez, il y a même des koufars qui sont en train de dire ça. À part lire, écrire, compter. L'école ne m'a rien appris. Il y a beaucoup de gens. Il y a un qui a écrit un livre comme ça, un cas à faire. Il a dit l'école ne m'a rien appris. Voilà. Il dénigre le système scolaire, il dit qu'il n'a rien appris, il ne retient rien du tout. Simplement, les bases, voilà. Et la SVT, donc la physique-chimie, je ne sais pas. Mais dès lors qu'on aura un shirk ou un kouf, on dira, voilà, à ce moment-là, la science, cette science-là, elle devient haram, mais je pense que c'est plus dans des cas particuliers, c'est pas du cas général. Parce qu'en SVT, on va aussi dire qu'il y a la reproduction des animaux et l'alimentation des animaux, enfin, je suppose. Hein. Et si, il y a ça. Et ça, en soi, c'est pas de la mécréance. C'est des choses qui sont vraies. Mais c'est dès lors qu'on ira dans un couffre, dans un chirque. Le problème, mes frères et sœurs, c'est ce que je dis, c'est que dans le système éducatif français, ou même occidental de manière générale, même dans les pays musulmans, Allah musta'an aujourd'hui, parce qu'ils le prennent de l'Occident, bah, le système éducatif, il est pas basé sur Kitab wa Sunna. C'est-à-dire que si c'était un savant qui avait érigé le programme. Voilà. Il a fait faire un programme, le savant, d'accord? Et basé sur Kitab wa Sunna. Il y a de la SVT, il y a de la physique, il y a des mathématiques, il y a des langues étrangères, il y a tout ça, il y a tout pour apprendre. Mais c'est basé sur Kitab wa Sunna, alors alhamdoulilah, on est écarté du danger. Mais le problème ici, c'est que c'est fait, tout ce système, toutes les matières, par des koufars. Donc ils ne vont pas se gêner pour mettre dans l'histoire, donc même dans la géographie, dans tout ce qu'on apprend, ils peuvent vous mettre du shirk, du kufr. Et après, c'est des jeunes sœurs, des jeunes frères qui ont 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16 ans, 17, 18 ans même, qui se retrouvent face à toutes ces matières, qui connaissent certaines choses de shirk et de kouf quand c'est évident. Donc s'ils entendent Dame Nature a créé, ils vont dire Dame Nature c'est qui? Allah Azza wa Jalla a créé. Mais des fois c'est des choses plus sournoises. Le shirk il est plus sournois, le kouf il est plus sournois. Et ils font pas attention, ils apprennent ça par cœur, ils ont ça après comme croyance, etc., etc. D'où l'interdiction d'aller dans les écoles des koufars, parce qu'ils vous polluent de A à Z via toutes leurs matières. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une manière franche, très marquée, très claire, ou d'une manière plus pernicieuse, plus sournoise. Voilà. Allahu a'lam. Oui, Lévi.
Tu peux écrire, Inch'Allah. Non, Cheikh Raslan a fait des études de médecine, mais pas ici. Et voilà. On ne peut pas dire que la médecine est haram, ou la physique est haram, ou la SVT est haram. Non. Cheikh Raslan, c'est un médecin. Non, c'est connu. C'est un médecin. Savant, mais médecin aussi. Mais, il n'a pas étudié FEMT. Ici, comment il voit les choses, je pense pas que Cheikh Raslan, il a fait son cursus dans la mixité, avec des pantalons au-dessous de la cheville, en train de faire la bise à des collègues, et je ne pense pas. Je ne pense pas du tout que Cheikh Raslan, il a fait comme ça. Je ne pense pas du tout. Donc il y a des contextes d'études et de matières, etc. Après, si c'est dans un bon contexte, si la matière ne contient pas de kufr, alors il n'y a aucun mal. Parfois, il y a des matières qui sont haram en soi, comme apprendre être avocat. Sauf un cas, si c'est apprendre pour réfuter, dit Shirim Mubad. Si tu apprends pour pratiquer le métier d'avocat, si c'était en gros c'était avocat, naam, ça c'est ce qu'il y a de plus grave. Ça c'est ce qu'il y a de plus grave. Tu vas venir juger avec autre que les lois d'Allah. Ça c'est très grave. On craint pour toi la mécréance. C'est quelque chose de très très grave. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat musulman en fait. Pratiquer le métier d'avocat, c'est ça. Après, il y a l'apprendre juste comme ça pour. Voilà. Et ça, c'est pas permis. C'est une perte de temps et c'est pas permis. Ça peut te mettre des ambiguïtés aussi. C'est pas permis d'apprendre le droit pénal, français, les lois. Non, c'est pas permis d'y participer comme ça, on va dire par passion. Et une chose permise plutôt dans une matière qui à la base est haram, le droit, voilà, le droit avec les lois des koufars, quoi. C'est apprendre pour réfuter. C'est apprendre pour quoi? Pour réfuter. T'apprends ça, mais c'est pour les contredire après, et ça c'est permis, comme a dit Cheikh Ibn Baz. Puis tu as des matières comme ça qui sont strictement interdites, ou bien autorisées, mais sous certaines conditions. Puis tu as des matières qui sont permises dans l'absolu, mais qui peuvent contenir du haram, si on les apprend au mauvais endroit. Voilà ce que je peux vous dire. C'est comme la science religieuse. La science religieuse, légiférée, je veux dire, Qur'an Sunna à la base, c'est bien, mais si tu l'apprends avec les Hizbi, tu dévies et t'apprends n'importe comment. Donc ça s'apprend au bon endroit, il y a des contextes. Voilà ce que je pouvais vous dire et vous transmettre sur ce sujet. Allahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka humma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.